Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Une Saison en Ovalie. Nous sommes le dimanche 14 février 2024, nous sommes bien au stade Bourriot à Longwy pour assister à une rencontre de Fédéral 1 qui va voir s'opposer le rugby féminin Dijon-Bourgogne, autrement dit les Gazelles, au prestigieux club sportif de Bourgoin-Jallieu, le CSBJ, le mythique club de la Berjalie, et avec les filles qui s'appellent les Grenades. Et on retrouve tout de suite en caméra bord de terrain notre ami Christophe. Oui, bonjour à tous. Salut Claude, salut Solène, bonjour à tous. Et donc oui, on a Solène avec nous aux commentaires et à la caméra. Bonjour Solène. Bonjour. Et donc on va te laisser présenter la rencontre, Christophe, avec le président Foulon. Voilà, je suis avec le président des Gazelles, le président Foulon. Bonjour président, merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, c'est les enjeux de la journée pour vous. Oui, c'est une journée en jeu, c'est un match en jeu. On a des Gazelles qui aiment bien se faire peur. On n'a pas été gagné à 9h, donc aujourd'hui, c'est impératif, il faut gagner. Et puis aussi avec le point de bonus, pour s'écarter de 9h et aller jouer plus tranquille à Besançon dans 15 jours. Ok, donc c'est un match, on l'a dit, un match en jeu aujourd'hui, synonyme de possibilité de barrage et en plus à domicile. Oui, absolument, si on consolide notre place de deuxième, donc on jouera les huitièmes de finale le 12 mai à domicile. À domicile, donc ce qui veut dire à domicile? Ça veut dire grande journée, on est en train de la préparer. Hein. Donc grande journée de rugby, certainement un match amical de notre Fédéral 2 en levée de rideau, et puis après grande soirée, barbecue, etc. Alors ça va être festif si forcément aujourd'hui on passe par la victoire. Voilà. Dernière question, on a entendu parler d'un loto. Oui, on a organisé enfin notre loto, on avait bloqué plusieurs dates, ça y est, c'est donc vendredi prochain le 19 avril à l'espace Jean Bouet de Longwy et les portes s'ouvrent à 18h avec 4 000 € de lot. Merci président. Merci aussi. Bon match. Merci. Parfait Christophe, Christophe, tu as été extrêmement rapide. Alors on a la chance avec Solène de pouvoir présenter déjà les filles du CSBJ avec l'image que Solène nous gratifie. Alors Solène, parle-nous un petit peu de ces Grenades. C'est les Grenades, c'est le nom de l'équipe, mais est-ce qu'on appelle les Grenadines, les Grenadettes? Comment est-ce qu'on appelle les joueuses? Est-ce qu'il y a un petit nom ou pas? Non, c'est les Grenades, synonyme de courage, les Grenades explosives, enfin voilà. En général, c'est un nom qu'on aime bien. Absolument. Et de l'autre côté, on a donc les Gazelles. Donc vous voyez sur ces deux plans, grâce aux images de Solène et à l'image de ma caméra à moi, voilà. On a un reste de Solène sur les CSBJ. Voilà. Comme ça, on a un plan qui nous permet donc de voir et les filles du CSBJ et les filles des Gazelles pour cette rencontre. Alors on va en profiter donc maintenant qu'on voit l'échauffement. Comme ça, ça permet aux deux clubs de voir leurs équipes. Christophe, est-ce que tu veux nous parler des conditions météo? Alors les conditions, elles sont idéales. Le terrain a absorbé toute l'eau engorgée ces deux dernières semaines. Il est légèrement un peu dur. Côté météo, ça sera grand soleil jusqu'à ce soir, point d'heure. Absolument. Alors sur le, on va passer sur la caméra de Christophe. Là, on va voir l'échauffement donc, de l'arbitre. Est-ce qu'on peut le présenter? Donc là, Christophe va nous faire un petit plan serré. C'est super, Christophe, si tu peux. Et le jeune arbitre de cette rencontre du jour est un jeune arbitre qui s'appelle Nathan Personeni, qui a un parcours un petit peu particulier, Christophe. Hein. Oui, c'est un jeune arbitre de 18 ans, Bourgogne-Franche-Comté, et qui n'est pas encore fédéral. Donc c'est sa dernière année en régional. Il va sûrement être testé aujourd'hui. Donc c'est son premier match de fédéral, donc on lui souhaite bonne chance. Absolument. Allez, on va revenir ici sur un plan serré avec Solène sur les filles qui préparent la mêlée. Alors quelle est l'importance de ce temps de préparatoire, Solène, là, quand on voit les filles en train de refaire leur basique à ce moment du match? Je pense que c'est bien de réviser les gammes. Oui, surtout les basiques, les petits placements, les bras dessus, dessous. C'est plutôt important pour les avants. Absolument. Et là, on va partir maintenant sur les... comme on l'a vu, l'arbitre. Et maintenant, sur les Gazelles qui, elles, sont dans leur propre en but, qui sont peut-être dans un échauffement un petit peu plus, un peu plus général, avec Elliot en casquette, vous voyez, qu'on voit ici s'échauffer. Donc, c'est bien, c'est intéressant. Donc, je vous fais, comme tout à l'heure, je vous gratifie d'un plan double qui vous permettra donc de voir et les filles de Bourgoin et les filles de Dijon s'échauffer en même temps. Ça permet à tout le monde donc, de pouvoir profiter de ce moment. Allez, on retourne sur l'arbitre
Donc Nathan, un jeune arbitre de 18 ans qui a accepté le micro-arbitre, c'est très, très sympathique de sa part. Et Christophe qui est ici aux premières loges comme tout à l'heure pour pouvoir assister tout à l'heure à la rentrée des joueuses. Donc j'espère que tu pourras rester là ou te décaler. Mais là, tu es bien là, je pense que pour voir si elle ne te rentre pas dedans pour la rencontre. Bon, qu'on profite de cet échauffement. Donc on a parlé un petit peu des enjeux sportifs pour le club des Gazelles. Alors Solène, pour l'équipe de Bourgoin, quel est l'enjeu de cette rencontre? Eh ben, tout simplement d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour ensuite peut-être espérer une qualification. Mais on reste quand même sur du plaisir avant tout. Absolument. Alors c'est vrai que l'équipe des Gazelles peut viser un barrage à domicile. Vous, les joueuses des Grenades, voilà, si vous arrivez à vous qualifier pour les phases finales, a priori c'est plus pour un barrage à l'extérieur, on est d'accord, hein? C'est ça, voilà. Tout à fait. Ouais. Voilà. Alors on va revenir sur un plan bord de terrain avec Christophe. Christophe, non, t'es bien Christophe, t'es beau comme un camion, mon petit Christophe. Au niveau du public, c'est vrai qu'on a un stade Bourriaud que tu connais bien, et c'est pas encore l'ambiance des Grands Dimanches, mais on est impatient d'avoir ces phases finales. Oui, c'est clair, hein, le président l'a bien signifié tout à l'heure au micro. Le but aujourd'hui, bon, c'est déjà faire du beau jeu, mais surtout la victoire. La victoire synonyme de barrage, en espérant que Nevers fasse ce qu'il a à faire pour qu'il y ait un beau barrage à domicile le 12 mai, en espérant que forcément les spectateurs dijonnais et de Côte d'Or viendront répondre présent, parce que, encore une fois, je vais finir là-dessus, on a couvert le match les Gazelles contre Nevers et on a vu... un match fantastique. Absolument, c'est régalé. Allez, on va retourner maintenant sur l'échauffement des Gazelles avec la composition des équipes qui va apparaître bientôt. Donc la composition qu'on va vous annoncer dans moins de 5 petites minutes. Attendez, genre, je fais un petit bisou parce que je suis une star, hein, du rock'n'roll, bien sûr. Et... Voilà. Donc oui, parce que pour la petite histoire, la semaine passée, on était donc à Auxerre et on a récupéré un câble du staff de l'équipe auxerroise. Et donc, je me permettais de le remettre tout de suite, le rendre à qui de droit pour ne pas perdre le câble et pouvoir le rendre à ses propriétaires. Voilà, belles images donc de Solène qui nous permet donc de profiter voilà, de l'échauffement de l'équipe bergelalienne. Voilà, j'essaie de rester aussi sur l'équipe des Gazelles. Voilà, c'est un échauffement voilà, un petit peu différent. On a les trois quarts et les avants qui sont séparés du côté de Bourgoin, tandis que du côté des Gazelles, le groupe semble ensemble, commun. Donc on n'a pas scindé. Alors c'est deux stratégies différentes. Au niveau de l'échauffement, on verra. Voilà. Pour qui ce sera le plus avantageux? Alors Solène, d'un point de vue bergalien, est-ce qu'on craint cette équipe des Gazelles? Oui, un petit peu, forcément. Après, on espère, enfin, on n'a pas d'objectif précis. Après, oui, c'est une équipe qu'on craint, mais on reste sûr de nous quand même. Absolument, oui. Alors les Gazelles qui sont allées se cacher à l'ombre et qui sont en train d'avoir les derniers mots de Hugh Chalmers, le célèbre entraîneur des Gazelles, entraîneur qui a été un brillant joueur, troisième ligne à l'UBB, à l'Union Bourgoin-Bègles dans ses jeunes années et qui est en train de donner les derniers mots. C'est vrai, Christophe, quand on a les phases finales qui approchent, c'est toujours un moment particulier. Je crois que tu as un invité. Oui, j'ai un invité. Je reçois Audrey Fournier. Fourier, c'est la kiné des Gazelles. Petite question, Audrey, comment on prépare les filles d'un passage de 5-6 degrés à 25 degrés? Ah ben, on remplit bien les gourdes et on se dit que là, je vais chercher les pots de glace et on leur conseille surtout de bien s'hydrater, je pense. Après, c'est essayer de bien se gérer et ça se prépare justement au match à venir et aux phases finales qui seront bien plus chaudes, je pense, mais il n'y a rien d'autre à faire de plus. Merci Audrey. Voilà, c'est vrai que c'est important. Alors aujourd'hui, ouais, il y aurait une petite particularité au niveau du règlement, Christophe, hein, c'est ça, hein? Oui, aujourd'hui, à la demande des deux capitaines, des Grenades et des Gazelles, il y aura un water break à la 20e minute. Comment ça s'appelle? Monsieur l'arbitre qui décidera quand faire le water break. Voilà, donc les Gazelles qui commencent à se préparer, se scinder. Donc le coup d'envoi va être donné dans à peu près 6 minutes.
Voilà, je crois que c'est le retour des gazelles au vestiaire. On va suivre avec Solène aussi l'échauffement des Grenades. On est vraiment très très heureux de pouvoir vous montrer cette prestigieuse rencontre de Fédéral 1. Alors on est un peu déçus, hein, mon petit Christophe, nous qui connaissons ce stade Bourillaud pour y avoir passé de nombreuses années en tant que joueur un petit peu, mais aussi encadrant et dirigeant. C'est vrai que c'est pas encore la foule des grands matchs, alors que c'était Phil des Gazelles qui trosse le haut du tableau de Fédéral 1, le mériterait amplement. Hein. Ah oui, c'est clair. Hein. Et puis, comme je le répète à chaque match, hein, j'étais pas fan du rugby féminin, mais je deviens match après match parce qu'elle nous procure déjà de l'envie, de la passion et surtout du beau jeu. Absolument. C'est vrai que voilà, ces gazelles qui arrivent, alors, qui semblent encore décontractées, on va rester sur ces images de Christophe, on voit des gazelles qui semblent, je dirais pas sûres de leur fête, mais en tout cas voilà, une équipe qui prend le match très au sérieux, mais qui sait garder de la décontraction. C'est important de ne pas se laisser déborder par les émotions dans un match pareil. Hein, hein Solène? Oui, c'est sûr. C'est sûr, après, oui, il faut garder la tête froide, surtout avec ces chaleurs. Absolument, oui. C'est pas qu'un jeu de mots. Il faut absolument garder sa tête froide. Et d'ailleurs, c'est le parfait moment pour lancer donc la composition des équipes. Je vais commencer par l'équipe des Grenades. Et on est parti pour la composition de l'équipe visiteuse. Alors, en numéro... Attendez, je vais reprendre mon téléphone. Excusez-moi, avec mes yeux, je pensais bien voir. Voilà, on est parti. Je vais y arriver. Alors, en numéro 1, j'ai Pauline Raffin. En numéro 2, Romane Moore. Numéro 3, Marion Vie. Numéro 4, Lily Barbier. 5, Roméa Borot. 3 lignes composées de Anélia Paquet, Lucille Badin et de Andrea Desbrosse. La charnière sera composée de... Maëlle Faverial et de Laura Gandounou. Au centre, Amandine Gay et Mélissa Gomez. Triangle d'arrière composé de Léa Mégias, de Fanny Prat, numéro 14 et capitaine, et enfin de Léonie François. Remplaçante, Clémentine Begouish, c'est ça, oui. Cyrielle Dumont, Laureline Piefer, Passicat Koveap Toupou. Et enfin, Aïcha Chatoubi. Excusez-moi pour la petite erreur de présentation. Maintenant, je me suis trompé de bouton. On enchaîne avec l'équipe des Gazelles. En première ligne, Chloé Michel. Romane Prisbilek et Ophélie Munoz en première ligne. Deuxième ligne composée de Flavie Anoyer, de Marie-Ophélie Chevillard. Troisième ligne, Oxane Ray, Cheyenne Collin et Océane Arnaud. Charnière, Aline Michelin et Hermance Malnois. Le centre est composé de Lilou Jaloka, capitaine, et de Camille Sordet. Le triangle d'arrière est composé donc de Zoé Tomasello, Inti Béziade Kiel et Laura Blondio. Allez, on va passer à la sortie des joueuses, aux rentrées des joueuses bergaliennes. Voilà, avec les images donc de Solène et puis de Christophe. Ouais, on sent des filles aussi concentrées, hein, Christophe. Hein, on voit les filles, les visages fermés. C'est bon signe, ça. Hein. Ah, c'est bon signe pour avoir du beau rugby cet après-midi. Absolument. Voilà, les bergaliennes qui rentrent au frais pour les quelques minutes avant la rentrée sur le terrain. C'est vrai que cette. Cet après-midi risque d'être extrêmement chaud et le water break sera le bienvenu. Donc je termine avec les remplaçantes. Donc on a Lise Benet, Marine Arbel, Julie Mouget, Salvina Darnay, Agathe Nogent, Léa Couturier et Margot Catelin. Voilà, j'ai terminé la composition, mais je voulais absolument rester sur l'image des joueuses bergaliennes qui rentraient au vestiaire. C'est toujours un moment fort, fort sympathique. Donc, on va aller au niveau des transparents pour présenter donc l'affiche du jour. Donc, ça c'est fait. Voilà. Donc, tout est prêt pour passer un moment délicieux. Donc, les images sont disponibles sur Une Saison Novalie. Vous choisissez le support Facebook, YouTube. Twitch, en fonction des goûts de chacun. TikTok, on n'est pas encore en direct, mais on le saura peut-être un jour.
Voilà, trois caméras avec les plans ici de la caméra donc de Solène qui nous fait le plaisir de prendre la caméra. Le plan de Christophe qui attend voilà, la sortie des joueuses. Il est en première ligne, voilà, il est parfaitement placé. Donc Solène qui va pouvoir peut-être se centrer aussi, exactement. Le plan de Solène. Et puis ma caméra automatique, donc on a essayé de mettre un petit peu en haut, au maximum de hauteur qu'on pouvait pour essayer de vous offrir un maximum de belles images. Donc voilà, tout est réuni pour passer un moment délicieux. Il est 15h et on voit déjà du côté des gazelles. Non, c'était juste la juge de touche qui arrive. Donc on est impatient que ça démarre. Donc ça commence à se remplir dans les gradins, Christophe. Hein. Voilà, il y a du monde au long de la main courante, du monde dans les gradins du stade de Bourriot. Il y a du monde de Bergélie qui est venu, qui est à notre droite et qui soutiennent Solène voilà, pour lui permettre donc, de pouvoir assurer. Ah, Solène, elle est terrorisée. Là. C'est plus facile de préparer un match ou de préparer le port de caméra ? Un match. Un match, oui, on dirait. Hein. On dirait. J'ai de la famille d'Auxerre là, qui s'est déplacée pour suivre les premières rencontres de Agathe Nogent qui a été longuement blessée et qui revient plein badin. Voilà, qui revient en super forme, donc on est impatient de voir cette jeune joueuse très prometteuse fouler la rencontre. On a la capitaine Charline Carré qui est à notre droite, qui n'est pas sur le pré aujourd'hui, mais qui nous a toujours fait le plaisir de répondre à nos questions. Donc il y a du beau monde ici au stade de Bourriot. Oui. Les joueuses sont dans le couloir. Allez, on va les attendre là. On va rester avec toi. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, on reste avec Christophe. Allez, sortie donc de Nathan Persenoni. Mais la porte, il faudrait que quelqu'un nous tienne la porte. Ouais, c'est parti, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, et il ne faut pas qu'elle se blesse. C'est parti. Et sortie des Grenades qui rentrent en premier sur le terrain avec les belles images de Solène. Voilà, les Grenades qui foulent la pelouse du stade Bourriot, le mythique stade de Longwy. Voilà les Grenades qui sont là. Et dans quelques instants, donc avec le staff, avec Albin Louchard et Régis Meunier. Et maintenant les Gazelles dans leur maillot rose et qui sortent sous les vivas du public dijonnais. Voilà avec merci Solène pour ces images également. Et donc là, on va mettre le micro-arbitre. On va vérifier si on l'entend. Et je crois qu'on l'entend. De touche, c'est bon. Nickel. Là-bas, on l'a. Nickel chrome. On entend tout le monde. Donc Solène va nous faire un petit plan serré là sur l'arbitre. Merci. Ok, c'est bon. Voilà, nickel. Capitaine Bordeaux, prêt. Capitaine Rose, prêt. Recule un petit peu. Voilà. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Ok, plaquage bon. On va faire un plan serré. Solène, n'hésite pas à faire un plan serré. Avantage. Première pénalité, un petit peu serré Solène, voilà super, nickel, ah, impeccable. Sur ma ligne Bordeaux, on peut monter. Sur ma ligne Bordeaux. Avec Jaloka, la capitaine là, qui sonne la première banderie avec la numéro 11 et les lières. Ok, plaquage, il est allez, bon. Les gazelles là, qui entament ligne, bien Bordeaux, ce début monter. De match. Et voilà, on voit que les gazelles rentrent tambour battant dans cette rencontre. Avantage, plaqueur, vous sortez pas. Allez, encore un ballon gratuit pour les gazelles, donc là, les bergéliennes qui subissent un petit peu là, les coups de boutoir de l'équipe dijonnaise. Elles jouent sur l'avantage. Et on va écouter l'arbitre. Qui ne profitera pas. Mêlée. Et mêlée demandée par les joueurs dijonnais. Alors Solène, on pouvait se douter hein, qu'il risquait d'avoir un coup d'envoi compliqué là, pour les berges aliens. C'est vrai que les dijonnaises là vous mettent allez, un petit peu à mal. Hein. Oui, c'est sûr, ça rentre très vite dans le dur. Ça rentre très vite dans le dur, ouais, c'est dijonnaises qui veulent absolument marquer les esprits. Super c'est plan bon. De Solène, impeccable. Prenez super image aussi de Christophe. Là on profite voilà, d'une parfaite situation. Donc comme vous pouvez le voir sur ce plan large, mêlée qui est à 5 mètres de la ligne des Grenades. Allez, c'est une mêlée importante. Allez, on voit que les Dijonnaises poussent. On va pousser, Rose, on va pousser. Pousser. Le ballon récupéré. Et en avant. Ah, c'est dommage, Solène. Hein. Un bon ballon récupéré, mais malheureusement, faute de main. Ouais, peut-être un peu trop de précipitation, je sais pas.
Alors, c'est, vrai que c'est... Alors, ces matchs à l'extérieur, c'est toujours des moments compliqués à aborder. Qu'est-ce qui explique la difficulté de démarrer une rencontre à l'extérieur? Qu'est-ce qui pose problème psychologiquement dans les esprits des joueurs ou des joueuses? Bah, de tout de suite se mettre focus dès le coup d'envoi. Après, je pense qu'il faut trouver c'est des bon. Petits réglages et puis mettre la machine en route. Élection! Absolument. Allez, on est reparti sur une mêlée, comme vous pouvez le voir, à 5 mètres placement. De la ligne d'en but. Allez, introduction par la demi-mêlée. Allez, superbe image de Christophe qui nous permet donc de voir le numéro 10 et le centre. Non. Non, elle est gagnée. On a eu chaud du côté des Grenades. Une faute de main encore des Dijonnaises. Alors on rappelle hein, pour la mêlée, hein, c'est... La Bordeaux la prend, la rentre et la platine dans l'embut, c'est une mêlée à 5 mètres. La poussée est sur 1m50 au gain du ballon. Après 1m50, on ne pousse plus, mais on peut la contrer de nouveau sur 3 mètres, puisque 1m50 plus 1m50, ça fait 3 mètres. Absolument. Donc là, Nathan Persenoni explique bien que, comme le ballon a été aplati par la joueuse bergalienne, on rend le ballon aux Dijonnaises. Sur ce plan large, regardez, on est toujours dans le camp bergalien à 5 mètres. Ça fait déjà 3 minutes qu'on est rentré dans le match. Et pour l'instant, on subit un petit peu du côté bergalien, mais les grenades plient, mais ne rompent pas. Allez, la numéro 9 là, qui demande le ballon pour la glisse. Avec Jaloka qui transperce et qui offre un magnifique ballon. Allez, on va écarter. Et c'est premier essai de la rencontre. On va rester sur les buteuses Solène. Le temps que je prépare le ralenti. Christophe aussi va rester sur les buteuses. Et premier essai des Dijonnaises dès la quatrième minute de jeu. Et on va regarder le ralenti. Donc sortie de mêlée avec la numéro 9 qui va trouver le centre. Le 10, pardon. Passe aura pour Jaloka qui est bien stoppé par son homologue. Et voilà, qui est bien bloqué. Voilà, et on écarte à nouveau par la numéro 10. Ah non, c'est pas la numéro 10, c'est la troisième ligne, pardon. Je crois que c'est la numéro... Non, c'est la deuxième ligne, Anoyer, je crois. C'est numéro 4 qui marque. Numéro 4, c'est ça, Anoyer qui marque. Donc on est déjà à 5 points. Et ici, on a le Lilou Jaloka qui se prépare pour buter. Concentration de Lilou. Capitaine et Gazelle. Absolument. Et ça fait 2 points de plus. Alors on va rester sur Lilou avec Solène. Merci Solène, impeccable, pour suivre Lilou. Alors belle entame des Gazelles. Hein. On l'a vu d'entrée de jeu à la première faute, ils l'ont joué à la main. Ils ont balancé à droite et puis après quelques attaques, il score. Pas de ballon, là, absolument. Allez, on va revenir sur un plan large pour l'intro. Merci Solène, c'est parfait. Donc 7-0 au bout de 5 minutes de jeu. L'entame est parfaite. Alors c'est Gazelle qui s'était promis de gagner cette rencontre pour en fait avoir leur destin en main. C'est ce qu'elles veulent, les Gazelles. Hein. Ouais, c'est de pouvoir maîtriser leur destin. Christophe, on l'avait abordé en avant-match avec le président. C'est ça. L'objectif pour elles, c'est de pouvoir s'offrir des phases finales, bien sûr, mais surtout des phases finales à la maison. On connaît l'importance de jouer des phases finales à la maison. Hein. Le 12 mai. Absolument, le 12 mai. Okay, c'est bon. Bah oui, on évite déjà, un, le voyage, la fatigue, et deux, on a le public et la ville avec nous. Absolument. Allez, c'est parti. C'est bon, c'est 10 mètres. Allez, le ballon a fait 10 mètres. Allez, magnifique image de Christophe, on voit ici. Là, okay, on est plaqué, lâché, Bordeaux, lâché. Avantage. Allez. Attention, allez, Bordeaux qui se met une fois de plus à la faute. Voilà. Alors coup de pied dans la diagonale, mais on va revenir à l'arbitre. Le Bordeaux qui vient s'écrouler, qui vient plonger en même temps de ça. En plus, il est plaqueur, il fait pas l'effort de lâcher plaqueur. On a deux pénalités d'affilée. Je vais prendre le. Alors comme échangé avec monsieur l'arbitre en début de match, il n'est pas là pour distribuer les cartons jaunes et encore moins les cartons rouges. Il va faire beaucoup de pédagogie, mais à un moment donné, il sévira. Reculez bien, Delboter, faites l'effort, il y a des hors-jeu aussi sur les...
On l'avait abordé, la jeunesse hein, de cet arbitre. Mais Christophe, je trouve que ce jeune arbitre est parfaitement en maîtrise de son sujet, avec beaucoup d'explications. Solène, okay, je trouve que c'est important quand on est joueuse d'avoir un arbitre qui explique bien et qui pose les choses. Vous avez niveau oui, c'est sûr, ça évite les confusions et puis comme ça, tout est au clair. Très bien. Bordeaux, là. Rose ici, premier sauteur. Il y a un bel avenir qui s'annonce à lui, Christophe. Hein. Et vous allez oui, il y a 18 ans fédéral, oui, c'est sûr. C'est chouette. Attendez. On le sentait un petit peu ému, étendu à l'idée de présenter cette belle affiche. Mais en tout cas, il semble maîtriser son sujet et assurer. Magnifique lancée, récupérée par la numéro 4, la scoreuse du premier essai. Ok, sur ma ligne, Bordeaux, allez. On peut monter. On écarte. Mauvaise transmission, c'est dommage. Allez, je dis Loujaloka qui récupère le ballon. Ok, plaquage, il est bon. C'est un ruck, on gagne pas la poussée. Sur ma ligne, allez, on peut monter. Allez, on voit ici la numéro 6, avantage, Oxane le plaquage, Rey, Léo. Qui revient ici à fond. On peut monter. On est sur un avantage pour une troisième faute. Allez, les duels. On gagne pas la poussée. Allez, on gagne Grenade pas la poussée. Dispute chaque ballon. Elles ont envie voilà, de montrer ce dont elles sont capables. Je pense que Solène, elle trépigne derrière la caméra. Elle aimerait aider les copines. Ah ouais, c'est frustrant. Tu peux être fier d'elle, franchement. Malgré cet essai. On reviendra à l'avantage qui est là-bas, mesdames. On va écouter Nathan, oui. Mais malgré cette entame un peu difficile, on peut être fier des copines parce qu'elles font, font preuve voilà, de beaucoup de vaillance et de courage. La touche, hein. Oui, c'est notre qualité. Après on la touche, on a un plaquage haut des Bordeaux. On ce sera pénalité froide. Pour les roses. On se met à 10, mesdames, on fait l'effort. Allez, on va se faire un petit plan serré là, pour voir la pénalité de... Le cul bien derrière le botteur, nickel. De Lilou Jaloka. Parfait, Solène. Ok, c'est derrière, jouez. Allez, pas sorti attention, cette vous balle. Vous êtes tous en jeu. Vous êtes tous en jeu, remontez, non. Vous devez vous écarter. Alors, on va expliquer la règle, oui, Christophe, on t'écoute. Ici. L'arbitre a expliqué la règle que on l'expliquera après. Ah, y a des c'est un sacrés bug, duels, par la poussée, hein. Par la poussée. C'est bon, on peut monter. Il y a des sacrés duels, les filles se rendent coup pour coup. Ok, lâché, nickel, on gagne par la poussée si on veut la gagner. Allez, ça écarte, avec petit coup de pied ici par-dessus, joliment donné. On sera une touche ici pour les Bordeaux. On le rappelle, la règle du hors-jeu est toute simple. Hein, quand l'arbitre signifie que ne bougez pas, vous êtes hors-jeu, il y a deux possibilités. La première, c'est que le ballon est fait 10 mètres ou le porteur du ballon est fait 5 mètres avec et il remet tout le monde en jeu. Position. Eh ma petite Solène, on va essayer de faire un plan sur la talonneuse. Bon. Si tu peux me faire un plan serré sur le lanceur, le lanceur des grenades. Voilà, on va rester sur le lanceur des grenades grâce aux belles images de Solène. Super. Magnifique lancer. Est-ce que tu peux donner le nom de ta copine? Romane Moore, qui nous vient de. Quand vous voulez, Bordeaux. De Bourgoin. Parfait. Allez, lancez. Non, reste dessus, reste sur Romane. Reste sur Romane. Allez, voilà. Là, je viens sur le plan large pour voir ici maintenant. En avant, avantage. Eh, ballon perdu. Dommage. Dommage. En ce ballon perdu, c'est une bonne munition. Ah, et les grenades qui se mettent en difficulté ici sur avantage. Une possibilité de pouvoir lancer un dans leur 22. Ici. Bon, écoutez l'arbitre. C'est bon, on se calme. En jeu d'un ligne de défense. On peut faire pénalité. Un pont serré, Christophe. Mêlée pour les roses. Mêlée, ouais. Avec Solène également. Alors, ah, super, de la défense, vous partez en avant, vous êtes déjà en avant alors que la balle n'est pas levée du ruck. Vous êtes considéré comme hors jeu, vous venez jouer le ballon après, pas de soucis, hors jeu. C'est vrai que c'est cette explication, cette connaissance de la règle, c'est important, hein, Solène, de maîtriser ça, parce que c'est vrai qu'on peut se mettre à la faute. Ces erreurs de compréhension de la règle sont pour l'instant coûteuses pour Bourgoin. Oui, c'est sûr. On est en place. C'est sûr. Ok. Allez, on va voir ici sur un plan large le positionnement de cette mêlée. Vous voyez, on est à 5 mètres de la ligne une fois de plus. Tout à l'heure, ça avait coûté cher aux Bergaliennes. Et on part petit côté, du côté des gazelles. Je vous donnerai la balle en passé, vous inquiétez pas, on a juste une blessée là-bas. La mêlée. Il y a une joueur blessée apparemment. J'arrive pas à voir qui est blessé. C'est bon. Soulène, si tu vois qui on c'est. On prend sur un bras, j'étais en possession de la balle, d'accord. Ouais. On prend sur un bras. On voit pas qui c'est. Non. Non, non. Bon, en possession de la balle, j'ai dû arrêter le jeu pour sécurité du corps sous la mêlée. Ok.
mais il est bien ce petit jeune Christophe. Bah moi, j'avais peur d'avoir un arbitrage un petit peu timide parce qu'il sentait un petit peu pris par l'émotion, mais il maîtrise parfaitement son sujet. Ah oui, alors l'émotion, il l'a laissé au vestiaire et puis il maîtrise très bien son sujet. Ah ben franchement, oui, c'est vrai que. Ok. Recule un petit peu encore, recule un peu. Ouais, voilà, nickel. Quand vous voulez, allez. Allez, Berge Alien qui joue ce coup franc dans leur propre 22. Allez, on va faire un plan large ici pour voir ici à nouveau les deuxièmes tentatives de temps de jeu. Sortez, attention. C'est bon. Alors c'est vrai que le jeu au pied chez les filles est un petit peu difficile. Ok, allez, c'est bon. Coup de pied enfin donné par la joueuse Berge Alien. Et parfait ce coup de pied qui permet d'offrir une belle touche. Il fait du bien ce ballon là parce qu'on là on vient de gagner 45 mètres Solène. On en avait besoin. Ouais, c'est clair, il fallait qu'on sorte de un là. Un peu plus court. Allez, les Bergeries subissaient un petit peu là depuis quelques minutes. Et là, ce coup de pied, j'ai envie de dire donné avec la tête, hein Christophe, fait du bien. Oui, il fait du bien. Bon, après, peut-être une faute de placement, d'appréciation de la joueuse des Gazelles. Mais bon, c'est pas grave, ça va rebondir. Allez, avec les belles images de Solène. Oh, Solène, elle maîtrise le sujet. Elle a été impressionnée tout à l'heure. Je ne sais pas, réussir à gérer les boutons, c'est parfait là. Super plan. Ça y est, j'ai trouvé. Belle touche. Allez, on revient sur un plan large. Touche gagnée par les grenades. Lâchez. Le cœur du terrain. Avantage. Première vous êtes offensive assis des grenades. Faire les portes montrer. Allez, elles sont chahutées là par les gazelles. Et on essaie de. Une fin de l'avantage. Et là, le ballon va loin dans le camp des gazelles. Là, on est rentré. Première fois qu'on rentre dans les 5 mètres jouez là. Des gazelles. Et la joueuse qui essaie d'échapper. Nouveau temps de jeu des gazelles. Sur ma ligne, Bordeaux. Allez, on est dans les 22, comme vous pouvez le voir on sur ce plan large. Et Jaloka, la capitaine, qui donne de l'air. C'est bon, vous êtes très bien en jeu. Avec la charnière bergalienne qui relance les débats. C'est ah, malheureusement, faute de main. Ah, Solène, elle se tient la tête. Ah, c'est dommage, la Solène. J'ai l'impression, je te sens déçu et il y a de quoi parce que là, on avait réussi à mettre les Dijonnaises sur le reculoir. Oui, après, il faut essayer d'être appliqué, pas être dans la précipitation et organiser son jeu. Absolument. Les berges d'Alien qui perdent une belle occasion. Alors, j'avais des bouteilles d'eau, je sais pas. Elles sont là, voilà, parfait. Alors, ceci dit, ok, les berges d'Alien ont bien manœuvré les gazelles, mais. Le pressing défensif bien organisé sur la ligne, par zone, fait aussi qu'on fait récupérer et faire des fautes aux bergaliennes. Flexion. Non, mêlé sur, au milieu du terrain, au 40. Placement. Ah, magnifique image de Christophe qui lui permet de voir vraiment le lancer. Allez, on part petit côté. Beaucoup de variété là, du côté des gazelles là, qui essaient de proposer des choses... un petit peu innovante. Ok, règle formée. C'est pas un jeu stéréotypé qui est proposé cet après-midi. Hein. Non. On l'a dit, Christophe, hein, ses filles proposent un jeu qui est extrêmement agréable, extrêmement alerte. Et là, essai. Attention, je vous ai vu. Hein. Essai de Lilou Jaloka. Essai de la capitaine. On va rester sur Lilou avec Christophe et puis Solène, le temps que je vous prépare le ralenti. Pour revoir l'action, et on va revoir cette action d'envergure des Dijonnaises qui, sur cette mêlée aux 40 mètres, voilà, on revoit l'action. Donc, c'est parti d'une mêlée aux 40 mètres. Un temps de jeu ici à hauteur des 40 qui permet à Lilou Jaloka de prendre la poudre d'escampette ici sur l'extérieur et de trouver l'intervalle. Et voilà, on ne reverra plus Lilou Jaloka que entre les perches. Et voilà, c'est vrai que 5 points de plus pour l'équipe Dijonnaise. Ah, c'est dur pour les berges d'Alien qui, sur un temps fort, j'ai envie de dire, à Solène, se font contrer. Oui, c'est comme quoi, c'est un moment d'inattention et c'est parti. C'est vrai qu'on voit cette équipe dijonnaise qui a passé de nombreuses années en Elite 1 et qui souffrait peut-être aussi en Elite 1 du haut niveau. Ils ont souhaité redescendre cette saison en fédéral et on voit que cette équipe dijonnaise vraiment est impressionnante. Et maîtrise son sujet. Donc on va rester sur Solène. Donc avec Solène et Lilou, pardon, avec Solène et puis Christophe. Parfait, super images. C'est cool. Vrai travail de pro. D'ailleurs, on embauche Solène. C'est le nouveau transfert de la saison prochaine. C'est ça. Solène va faire joueuse au Gazelle et à caméraman
une saison d'Ovalie. Absolument. Allez, on a un score de 14-0 pour les gazelles. Merci Solène d'avoir joué le jeu. Et voilà, image sympa. Donc, c'est vrai qu'avec ces images bord de terrain de Christophe et puis de Lilou, j'espère que vous passez un moment délicieux. Un plan ici sur la joueuse bergalienne qui joue avec des lunettes. C'est bien pour la sécurité. Tout à fait. Avec l'arbitre Nathan Persenoni. Moi, vraiment, c'est une découverte aussi. Allez, on l'avait déjà découvert, un super arbitre lors du premier rencontre de Fédéral 1. Michel Roussel, ouais. Absolument. Il avait passé un super moment en sa compagnie. Alors, le ballon qui va directement toucher. Direct, elle sera rose ici. Très bien. Ah, c'est dommage. Les grenades, encore un coup d'envoi un petit peu manqué. Alors, il faut que les grenades se remettent la tête à l'endroit, hein, Solène. Ouais. C'est vrai que malheureusement, elle manque peut-être de précision sur ses lancements de jeu. Et là, face à une équipe dijonnaise qui a en point de mire ses phases finales, tout se paye cash cet après-midi. Hein. Oui, il faudrait qu'on soit plus régulière et plus précise. Absolument. Allez, magnifique coup de pied donné par Lilou et la Joka. Au milieu de terrain, est-ce que les bergaliennes vont pouvoir récupérer ce ballon? Lâchez. Oui, lâchez, ballon récupéré par les bergaliennes. Lâchez. Allez, la numéro 9 là, qui rejoue avec les avant. Ok, on gagne par la poussée. C'est bon. Voilà, on a votre demi d'ouverture là qui va au contact, qui propose des choses. Ouais, super image de Christophe là où on voit vraiment les duels. Vous êtes aux premières loges. Alors, sur ce terrain qui est extrêmement dur, hein, le terrain. Avantage. Ça profitera pas. Le plaquage il est un peu haut, madame. Si on veut jouer le ballon, on joue que le ballon, pas le tout le torse, ok? Non. Christophe, moi je suis. Ébahi par la justesse de ce jeune arbitre. Hein. Oui, et surtout sa pédagogie. Hein. Ouais, absolument. Le, comment est-ce qu'on dit? Le mérite n'attend pas le nombre des années. Et il est vraiment parfait. Super Solène sur ce plan de l'arbitre. On prend ça comme un plaquage et du coup un plaquage haut. Okay. Voilà. Ah, puis il est toujours dans l'explication, il maîtrise son sujet, il évite des tensions. Pas de soucis. Ça, c'est important. Et je pense que c'est bien aussi pour les bergaliens qui nous suivent en direct de l'Isère, de pouvoir entendre les explications de l'arbitre. Allez, la belle image de Christophe. Attendez, recule un petit peu, Rose. Voilà l'alignement. Ah, c'est dur hein, pour les bergaliennes. Ballon conservé pour les bergaliennes ou pas? Oui. Ah, super image de Christophe. Là, on est au cœur du combat avec Solène. On peut monter. Ouais. Lâchez, Rose, lâchez. Ils ne font pas de cadeau, Christophe. Hein, toi, tu es aux premières loges. Ah non, je peux vous dire que ça claque même. Hein. Ah oui, absolument. Ouais, vous êtes bien sur votre saison d'Ovalie. Vous voyez du rugby féminin, le fédéral 1. On peut monter. Et on voit ces grenades et ces gazelles qui font honneur à leur maillot. Et le rugby féminin. Elle a le droit, c'est pas un rec, elle a le droit. Se conjugue parfaitement avec ce ballon ovale. Ah, une fois de plus, voilà, une pression défensive. Lâchez, vous êtes assistante. Comme tu l'abordais, Christophe, tout à l'heure. Hein, les montées sont extrêmement agressives. Hein. Je pense que ça va être une des clés du match. Ouais, super, va échapper là. Ah, dommage. Ah, Solène s'arrache les cheveux. Dans le rec, un peu le... C'est dommage, on va pas au bout des choses. Attention quand vous rentrez dans le rec, venez pas avec 15 mètres d'élan, c'est bien trop dangereux, c'est écrit dans la règle. Là, je pense qu'on a la troisième faute, okay, il va commencer à compter, touche, monsieur l'arbitre. Vrai, comment vous voulez décider d'autre chose? Prenez la touche. Ok. Ah, je le trouve bien parce qu'il est dans l'explication, il se précipite pas, il pourrait se laisser emporter un petit peu par l'émotion. Mais il est tout à fait dans la pédagogie, c'est super bien ce qu'il fait. Hein. On prendra sur la touche pour vous, juste après le water break. Il est de quelle région, tu disais, Christophe? Bourgogne-Franche-Comté, il est de Saint-Laurent. Saint-Laurent, d'accord, eh ben, c'est super. Ouais, nickel, merci. Ouais, c'est bon, nickel. Ah, c'est une saison d'Ovalie, c'est aussi la pédagogie, l'explication de l'arbitrage. On est très heureux de pouvoir vous montrer ça. Donc allez, donc là, je vais rester moi sur ma caméra sur les gazelles. Solène va aller sur les filles de Bourgoin. On va vous présenter les deux images, voilà, oui, super. Après, ça comme ça, grâce aux images de Christophe et de Solène, on a le water break. Qu'est-ce qu'on doit se dire ici à ce moment-là? À ton avis, quels sont les mots du coach? Bah, plus de rigueur et surtout plus de communication. Essayer d'appliquer vraiment ses passes, chaque petit
petits détails comptent. Et je pense que du côté des gazelles, on va peut-être maintenant prôner un peu l'économie, c'est-à-dire on va commencer à gérer sa pression, à peut-être un peu plus de jeu au pied. La semaine dernière, c'est ce qui a manqué à Auxerre pour pouvoir concrétiser. Donc là, il va falloir qu'ils ralentissent un peu plus le jeu, s'économiser pendant 10 minutes et puis finir en fin de mi-temps sur les chapeaux de roue. Absolument, c'est ça. C'est vrai que la semaine dernière, on avait vu une équipe auxerroise dominer son sujet pendant 60 minutes, mais il avait manqué du carburant, il manquait du gaz. Hein. Ah oui, c'est ça. Et c'est dommage. Absolument, avec Hugh Chalmers, avec son béret emblématique. Alors là, il a un look bien à lui, Hugh, mais il est parfaitement intégré en Bourgogne, il s'y sent bien. Et oui, il est, après avoir passé de nombreuses années en terre bordelaise, je pense qu'il a pris goût aussi au terroir bourguignon. Ah oui, il a sa maison, donc il a ancré aux alentours de Beaune. Donc oui, on va dire que c'est un bourguignon maintenant. Absolument. Allez, on va revoir le... Ah non, ça reprend tout de suite, j'allais vous montrer l'essai, mais non. Allez, on va revenir. Allez, sur ce plan large. Donc, si je dis pas de bêtises, on a une touche qui est à tes pieds, hein, Christophe, hein, c'est ça hein. C'est ça, juste devant moi. Juste devant toi. Donc, on va rester avec Hugh Chalmers. Voilà, super image de Christophe. Fameux Hugh Chalmers, un troisième ligne de devoir, extrêmement aérien aussi en touche. Voilà, il a fait les belles heures de l'équipe bordelaise. Allez, avec les grenades filmées par Solène, voilà, qui arrive ici pour le lancer. C'est un lancé qui va te refaire à ta camarade, à Roman. Allez, on va lui souhaiter un magnifique lancer. On va rester sur un plan serré sur Roman. Tu peux rester sur un plan serré sur elle. Voilà, pour soutenir la talonneuse. Et on passera après un plan large avec moi. Allez, Roman qui est concentré pour son lancer. Ah, super image. Super, merci Solène. Je me régale. Et Christophe, voilà, regardez ce ballon. Et Christophe qui est aux premières loges, là, qui nous fait profiter là de ce contact. Ouh. Nouveau coup de sifflet. Ah oui, je vais remettre l'arbitre, j'avais envie l'arbitre, pardon. Mesdames, s'il vous plaît. Encore une fois, hein, un plaquage offensif. Moi qui pensais qu'ils allaient s'économiser, mais non. Ils sont repartis comme dans le premier temps de jeu. Mais Solène, j'imagine que c'est un des thèmes qui est abordé à l'entraînement. C'est vrai que la première source d'attaque, la première source de ballon, c'est comme la défense. Hein. C'est la première rampe de lancement. Une défense bien maîtrisée, bien agressive. On récupère des ballons de récupération qui sont flexion de grande qualité. Hein. C'est sûr, si on empêche les autres de jouer, nous, on peut placement. Envisager quelque chose. Ah. Vous poussez avant, Bordeaux. Attendez, on va attendre. Mettez-vous à 10 mètres. Encore une fois, il y a quatre commandements. Bordeaux. On doit respecter les commandements. On doit ne pas pousser tant qu'on n'a pas fait jeu. Ah, c'est dommage, c'est Bergevaldienne qui font des erreurs là comme ça. C'est des erreurs qu'elle paye cash depuis tout à l'heure. Lâchez. Vous êtes assistant plaqueuse. Alors on peut aussi en jouer de cette règle. Hein. Se mettre en mêlée et lâcher un tout petit peu. Lâchez, sortez. C'est un ruck. Ok, ruck formé. Allez, on voit que la Joka qui reprend la poudre escampette sur l'extérieur. Alors Solène, ouais, qui comprend pas, mais Milou la Joka qui joue au pied. Oh là là, alors ça c'est magnifique. Oh là là, superbe. Et superbe essai, une fois de plus. On va rester sur l'équipe dijonnaise, Christophe et puis Solène. Alors ça, pour les anciens, l'essai du bout du monde. Hein. Le cadrage et le coup de pied de recentrage de Canberra Béraud. Notre capitaine Lilou l'a fait à merveille. Et son 15 a été aplati entre les poteaux. Alors on voit Lilou Jaloka là, qui part ici sur l'extérieur, qui prend la poudre d'exemple et qui trouve l'intervalle. Et voilà, qui rafute. Et voilà, coup de pied de recentrage pour son arrière. Comme on voit ici, ici récupérer le ballon. Et comme tu dis, ce coup de pied de recentrage qui avait été longtemps été une arme redoutable, qui avait disparu du rugby moderne. C'est ça. Et qu'on revoit à nouveau au profit voilà, de nombreuses équipes de première division, mais maintenant en fédéral 1. C'est vraiment un outil, une arme exceptionnelle. Et tu fais bien de rappeler cette histoire de Cambé. Hein. Ah oui, et puis aujourd'hui, cet essai-là, on peut le montrer dans les écoles de rugby, il y a tout. Il y a le placement, l'intervalle, le raffut. Le coup de pied, ah oui, c'est superbe. Alors, on va rester sur Solène, sur Lilou avec les images de Solène et de Christophe. Le temps que je vous prépare le tableau d'affichage.
Oui, parce qu'on en est à 21-0 quand même, malgré tout. C'est ça, 21-0. Je trouve que c'est mérité pour l'équipe dijonnaise qui fait vraiment un excellent boulot. Mais c'est vrai que c'est lourd pour l'équipe bergalienne parce que cette équipe bergalienne qui montre beaucoup de vertu, beaucoup de courage et qui malheureusement fait trop d'erreurs. Hein, Solène, on est d'accord. Hein. Il y a beaucoup d'imprécisions et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de payer, de faire ce genre d'imprécisions parce qu'on les paye cash face à une équipe dijonnaise qui maîtrise vraiment son sujet. Hein. C'est sûr, il faut qu'on soit sûr de nous et c'est le moment d'inverser la tendance. Allez, on est reparti avec un ballon. Sortez, placard. Enlevez-vous, sortez si vous le pouvez. Allez, ballon lent. Et Lilou, la Joka qui montre qu'elle sait bien jouer avec ce pied. Elle nous l'a montré avec son coupé de recentrage. Là, ce ballon-là, mais ballon récupéré par les Bergaliennes. Allez, c'est un bon ballon, les filles. Allez, il faut que les Bergaliennes. Magnifique attaque de la 10. Allez, c'est un bon ballon pour les Bergaliennes. Ah, ça fait du bien. Oh, dommage, une nouvelle faute de main. Mais c'est pas possible. Alors, bien sûr que notre cœur est dijonnais parce que c'est notre région, mais on est déçus pour ces bergaliennes, c'est pas possible. Ouais, c'est. Faut vraiment qu'on prépare nos mains, qu'on revienne à des choses basiques et ne pas se prendre la tête sur penser au moment présent et pas après. Alors, effectivement, elles insistent au rat. Alors, peut-être que, mais en attendant, il serait peut-être temps d'écarter, de poser le jeu au pied, d'aller jouer chez l'adversaire parce que au rat. La troisième ligne des gazelles, elle est présente. Ouais. Donc, et elle ne lâchera pas. Hein. Donc encore une fois, comme à Auxerre, c'est pour moi un mauvais choix de jeu. Ouais, c'est dommage, absolument. C'est ces joueurs bergaliennes là qui, j'ai envie de dire, c'est pas méchant, mais je pense que ça résume bien. Elles donnent le bâton pour se faire battre. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, sur le terrain, des fois, on n'en est pas forcément conscience, mais c'est sûr que vu de l'extérieur, c'est flagrant. Absolument, ouais, c'est ça. C'est vrai que. On n'est pas dans une critique facile, on est là dans c'est la lecture de cette rencontre et on est frustré de voir ces bergaliennes qui. C'est pas à moi de le faire, mais. Reprise du temps. Qui ont plein de bonnes intentions. En avant mais, du Bordeaux mêlé pour les roses. Mais qui manque des choses simples. Comme tu dis, hein, Solène, tendre les bras, bien présenter sa main pour le ballon. C'est des choses élémentaires, fondamentales qu'on fait parfaitement en entraînement. C'est bon, on est en place, 8. Et aujourd'hui, on a un peu. Flexion! Allez, lié. Mêlée aux 40 mètres. Oh, superbe image de Christophe. Placement. Regardez-moi ses attitudes en mêlée. C'est superbe. Ah, ça pousse, belle poussée. Jouez là. Allez, ça écarte pour l'arrière qui est venu s'intercaler dans la. C'est derrière. Et les joueuses dijonnaises qui relancent depuis leur en but. En avant, avantage. Allez, c'est un bon ballon pour les bergaliennes, ça. Allez, il faut que les bergaliennes enfin profitent. On reviendra sur l'en avant, d'accord. Fin d'avantage, on revient ici. En avant du rose, mêlé pour les Bordeaux. Hein, Christophe, l'arbitre qui parfaitement maîtrisait son sujet, il a laissé l'avantage et ça n'a pas profité, donc il rend le ballon aux bergaliennes. Je trouve qu'il va. Belle surprise, ce jeune arbitre. Hein. Ah, c'est sûr, et puis d'un autre côté, j'y pense maintenant. Mais à chaque avantage pour les bergaliennes, une gazelle vient faire une faute. Alors, c'est un peu de métier, attends, c'est un peu de vis, de et c'est bien vu. C'est ça. Côté, une fois sur deux, ça relève, une fois sur l'autre, ça s'écroule. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Vous avez des problèmes? Je sais pas, vous écroulez, ça s'écroule et ça se relève à chaque fois. C'est bon, ça va le faire? Vous essayez de me corriger ça? Merci. Ah, il fait de la paix. Il est très bien, l'arbitre. Il explique ce qu'il veut au niveau des premières lignes. Il leur pose la question. Allez. On est là à demi-heure de jeu. Stop poussé. Allez, magnifique. Allez, les ballons en bergalien. Allez, il faut qu'on arrive à exploiter ce ballon. Avantage. Il y en a avant, mais le ballon est bergalien toujours. Magnifique. Fin d'avantage. Allez, les bergaliennes là qui ont enfin un ballon rapide. Avantage, plaquage à deux simultanément. Ah, il faut arriver à profiter de ce ballon, elle est la 9. Attention, on est à la quatrième faute, la prochaine. Et j'ai peur que là, les Dijonnaises se fassent sanctionner. On a un joueur au sol là, on a un plaquage haut là, on a un plaquage simultané là. Ça va, Bordeaux? Capitaine, plaquage à deux simultané ici ou plaquage haut ici?
Choisissez. Pénalité là ou là ? Ok, ici. Solène, pénalité, plaquage haut. Qu'est-ce qu'on fait, Solène, à ton avis ? Alors, on prend la touche, c'est ça, hein ? Ouais, ouais. Vu le pied qu'on a et la qualité de la joueuse, je pense qu'on peut se permettre. Allez, eh ben, c'est parti. Est-ce que le ballon sort ? Oui. Et bon, sans en dire à 21-0, je pense que le mieux est de jouer. Hein. Allez, on va essayer de rester donc, sur Christophe, sur les images bord de terrain. On va faire un zoom. Allez, on va essayer de suivre la talonneuse qui va avoir un lancer important à faire, hein, ma petite Solène. Elle est où, la talonneuse ? Voilà. Ouais. Donc tu rappelles son nom ? Cyrielle Dumont. Cyrielle Dumont. Allez, ce ballon-là, il est... Ah, c'est la remplaçante déjà ? Elle est numéro 16 ? Non, c'est Romane qui va le prendre. Ah oui, pardon, c'est Romane, excuse-moi. Moi aussi, je... Ah, super image de Christophe aussi. On voit le lancer de la talonneuse qui va être un lancer important, là. On y va, Bordeaux. Faut y aller, Bordeaux. Ah, superbe stratégie là des Vergeladiennes qui proposent des choses intéressantes, qui essaient de varier. Ah, moi je suis ravi de voir que ce rugby féminin est un rugby qui est intéressant par la stratégie qui est proposée et les différents choix tactiques lâchez. Qu'on peut voir. On n'est pas sur un jeu stéréotypé, hein, Christophe. Hein. Ah non, jouez pas là, du tout, là, ça alterne. Là, je pense qu'elle m'a écouté un tout petit peu. Là, par contre, elle est grattée, ils sont avant vous. Ah, c'est dommage. Ouais, parce que là, tout était bien, là, Solène. La touche était bien captée. Un temps de jeu, deux temps de jeu. On essaye d'écarter, mais les soutiens sont trop loin et pas efficaces. C'est ça, parce qu'après ce temps de jeu bien réalisé avec les avant, malheureusement, on a manqué de soutien. Oui, effectivement, pour avoir du soutien et se resserrer, la problématique, c'est que la défense, vous aspirez la défense. Donc, ils ont glissé, elles ont glissé, mais bon, la charnière, encore une fois, elle alterne, mais peut-être pas assez encore en mouvement. Allez, on va suivre avec les images de Solène et de Christophe, cette touche. Avec Christophe qui est au bord du terrain, super image, voilà. Un ras du sol. Ici. Pour vous offrir des belles surprises. Donc, cette semaine, vous aurez droit donc, au résumé lundi, aux réactions des coachs. Mardi, vous aurez tous les essais de cette rencontre. Mercredi, la vidéo des plus belles images de la rencontre. Et enfin, jeudi, l'album photo. Donc, une saison de Nouvelle-Lille, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Hein, Christophe, et il y aura du beau contenu. Ok, quand vous voulez. Magnifique. Ah, non. On va écouter l'arbitre. Capitaine, mêlée ou à touche à refaire ? Donc il y a eu un lancer pas droit, c'est ça, Christophe ? C'est ça, c'est ça. Donc la capitaine va choisir si elle reprend la touche ou elle fait une mêlée. Allez, 35 minutes de jeu. Il y a eu un waterbreak de 5 minutes, donc on va dépasser le temps, hein, normalement, bien sûr. Je trouve que c'est vraiment une décision qui est bien proposée, ce waterbreak. Oh, magnifique. Goal. Allez, ballon pour les Vergeladiennes. Il est important, ce ballon-là. Magnifique ballon porté, là. Les Vergeladiennes là, qui font reculer les Dijonnaises. Allez, pour le suspense, c'est qu'il y a un petit peu de jeu. On voudrait voir ces Vergeladiennes qui, enfin, profitent d'un ballon en avançant. Parce que quand elles ont le ballon en avançant, ces Vergeladiennes, elles sont dangereuses. Allez, les grenades, allez. Avantage. Qui proposent des belles choses. Allez, un nouveau temps de jeu pour les grenades. Petit coup de pied par-dessus, est-ce que c'était bien joué ? Ah, je sais pas. Non. Bon, on viendra là-bas sur Solène, pourquoi jouer au pied ? Alors, pourquoi jouer au pied ? Parce qu'elles sont sur un avantage. Donc, elle s'est dit, on va créer le décalage par le jeu au pied en s'infiltrant avec le premier centre, mais on revient à la pénalité. Bon, là, je pense qu'on avait besoin. On a besoin de revenir avec des points, Solène. Là. Je pense que là, c'est rien que pour concrétiser un peu ce temps fort. Ouais, c'est sûr. Et peut-être de souffler aussi. Ouais, souffler, oui, surtout, je pense. Ouais, parce que, chers amis, il y a du rythme. Hein. 35 minutes de jeu, je serais curieux de connaître le temps effectif. Mais ces filles font vraiment honneur à cette rencontre. Elles essaient de faire un plan serré là, sur l'ouvreuse donc, qui porte le numéro 12. Laura voilà. Gandounou. Comment tu dis ? Laura Gandounou. Ça, bah, merci, super. Et Laura Gandounou. On reste bien dans le moteur, il y a des hors-jeu aussi sur une pénalité. Allez, on va suivre la préparation de la buteuse. Prépare des changements pour côté gazelle. Hein. Oh non ! Oh, deux rebonds ! Ça joue, jouez ! Deux rebonds, mais c'est incroyable. Non, mais rugby féminin nous propose des choses exceptionnelles.
Double barre transversale. Ah bah ça, vous l'avez rêvé, bah, elles l'ont fait. Oui. Non mais c'est incroyable, hein. On voit vraiment des belles choses. Allez, super image de Solène là qui... et on rend le ballon au pied. Du côté des gazelles. Arrêtez-vous, reculez. Bien joué ce coup de pied. Elle est sortie, elle est indirecte. Ah non, malheureusement. Quoi? Ah ouais, je sais. Bon, je sais. Alors, qu'est-ce qui a été décidé, Christophe? Alors, je suis perdu. Je ne sais pas si le ballon est passé derrière dans les 22. Si c'est le cas, c'est un 50-22. Donc elle est pour voilà. Bravo. C'est ça. Eh non, mais, en une minute de jeu, on voit une double barre transversale sur cette tentative de pénalité. Un 50-22. Dans un angle improbable, impossible. Oui, absolument. Eh oui, vous êtes bien sur une saison Novalie et vous avez raison de regarder du rugby féminin. La page du rugby amateur. Et on est très content de pouvoir vous proposer ce magnifique duel entre les gazelles et les grenades. Bah, qui Ça profitera pas. Et si le plaquage il est haut, je l'ai vu, pas de souci. On essaie de tester sur les plaquages, s'il vous plaît. Encore une énième faute. Alors là, je suis un peu surpris quant à monsieur l'arbitre. Il est vraiment sympa et pédagogue. Donc les filles sont disciplinées, elles font des fautes, ils ne sanctionnent pas. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais gestes. On peut dire que vraiment, on est dans un match qui est vraiment dans le fair play, on peut dire. Dans le bon esprit. Donc il n'a pas envie d'envenimer les choses. Et, mais moi, je trouve très prometteur ce jeune garçon. Hein. Donc on a la chance d'avoir des grands arbitres. On pense à Damien Devissa, on pense à Charles Morel, qu'on avait vu lors du France-Angleterre, Christophe, hein, qui étaient les arbitres de ce magnifique match international que vous avez pu vivre sur une saison de Novalie. Mais voilà, la jeunesse du rugby et de l'arbitrage bourguignon tape à la porte. Quand vous voulez. Allez, c'est bien capté. On peut monter. Et Eddy Jeunesse qui... Oui, magnifique combinaison, là. Et puis là, on a un feu follet. Oh là là, superbe. J'ai cru qu'elle avait... Ça joue, ah, ballon ça joue. Rendu aux berges aliennes. Jouez. Allez, c'est un bon ballon pour les berges aliennes. Allez. Le rec, il est formé. On passe pas par le côté. On doit gagner par la poussée. On a du temps. Et bien là, on a eu chaud. On est revenu du diable Vauvert là, pour défendre du côté berges alien. C'était moins une. Hein. Par contre, là, je crois que la joueuse a pris un coup de crampon dans l'oreille. Je sais pas si ça a ouvert. Ah, j'espère pas. Alors on va rester avec Solène ici sur les joueuses bergaliennes. Moi, je vais faire un plan serré sur les gazelles. Avec Christophe également sur la joueuse bergalienne. J'espère que ça va aller. Alors, on peut présenter la soigneuse, Solène. Tu connais son prénom? Oui, c'est Nina Dubreuil, kiné aussi du club, qui s'occupe des filles. Très, très appliquée, très aux petits soins. Allez, du côté des gazelles, on profite aussi de ce water break pour prendre un petit peu d'eau. C'est vrai que ces pauses rafraîchissantes sont les bienvenues. C'est vrai qu'on est passé d'une météo 5 minutes. Hivernale en quelques jours à une météo très estivale. Les organismes souffrent. Hein. Ah oui, et puis il n'y a pas que, hein, y a nous aussi sur le bord de touche. Hein. Pauvre Christophe. Mais t'as pas voulu mettre la casquette, Christophe, hein. Non. Allez, sportivement, il y a la capitaine Lilou Jaloka qui est venue voir ce qui se passe. Ah ouais, non, qui est venue voir le coach. Pas une pénalité, je sais pas encore ce qu'ils ont choisi. Pénalité pour vous, à vous de choisir. Et je crois qu'elle sort, hein, la joueuse. Ah, c'est dommage. Alors, c'est quelle joueuse qui est blessée? C'est Mélissa Gomez qui a attaqué cette année et qui est très prometteuse. Ah, okay, absolument, ouais. Elle est un peu déçue, on sent qu'elle est frustrée, la pauvre Mélissa. C'est des choses qui arrivent. Pénalité, le joueur qui vient sur le côté du ruck, quand vous voulez. Magnifique coup de pied. Ah bah, votre joueuse numéro 10, là, elle vous a fait du bien aujourd'hui avec ses coups de pied. Ouais. Elle a sorti pas mal de situations compliquées grâce à un jeu au pied de qualité. Ici. Oui, c'est vrai, c'est une des seules un peu qui lève la tête, qui réfléchit avec son pied. Bah, exactement. Allez, on va essayer donc de faire un plan serré sur la talonneuse. Excusez-moi. Pour qu'on puisse suivre ce lancer. Ah voilà. Quand tu veux. Ah, magnifique image de Christophe. Le ballon, malheureusement, une fois de plus, perdu.
Et une belle occasion manquée par les berges aliennes et les Dijonnaises, regardez, qui en profite. Allez. Ok, c'est bon. Il en repart petit côté. Lâchez. Elle est gagnée par la rose. On a un joueur au sol au bout devant, on va éviter de jouer vite, d'accord? Ah, il est top ce garçon. Ah, mais moi, franchement, Christophe, je suis ravi de cette découverte. Ah, une belle pépite, hein, ce jeune arbitre. Ah oui, il explique bien. Joueuse au sol. Bon, c'est une première ligne, donc ça l'arrange bien aussi. Mais très bien, oui. Franchement, très bon arbitrage depuis le début du match. Absolument. Non, mais c'est vrai qu'on est, c'est pas dans l'esprit d'une saison de valide d'être dans la critique de l'arbitrage, mais c'est vrai que arbitrer, c'est jouer au rugby également, et c'est un élément essentiel au jeu. Sans arbitre, on ne peut pas c'est sûr. S'exprimer au rugby. Alors les mauvaises langues diront toujours, oui, mais c'est un match facile à arbitrer. Non, on se le rend facile, aussi. Simplement en maîtrisant les règles, l'attitude des deux joueuses, et puis tout se passe bien. Et puis en expliquant bien, parce qu'il est vraiment dans la pédagogie à 18 ans, il a cette fibre pédagogue, et c'est tout à son honneur. Ok, elle est bonne. Ok, ce sera une pénalité pour les Bordeaux. Un maul alors qu'il n'y a personne en contact. Allez, les Berzaliennes qui s'encouragent. Elles ont reculé, elles se sont déplacées sous le côté. Du temps qu'elles ne quittent pas l'alignement, le truc est bon. Quand vous voulez. Voilà, allez, nouvelle pénalité. Alors là, il faut qu'on profite de ce ballon. Nickel, pour que les Berzaliennes arrivent à enfin avoir une rampe de lancement de qualité. Parce qu'malheureusement, on a souffert un petit peu de maîtrise en conquête. Hein, Solène, je pense que ça va être un gros axe de travail pour la suite de la rencontre. C'est sûr. Après, il faut vraiment qu'on aille au bout des choses et qu'on s'applique sur des choses simples. Voilà, je pense que c'est ça exactement. Quand on est un petit peu dans le doute, il faut revenir à faut des choses simples. Il faut arrêter de se compliquer la vie. Quand vous voulez. Allez, 43e minute de jeu, parce qu'il y a eu un water break, ce qui est normal, vu les conditions météo qui sont difficiles. Je vais vous expliquer ce qui passe, c'est que la sauteuse, elle touche la balle, elle part devant. Et après, elle la réceptionne, la sauteuse rose. Du coup, malheureusement, ce sera une mêlée pour les Bordeaux. Enfin, malheureusement. C'est top. Non, mais c'est... Il reste encore une minute, ouais. Ce sera la dernière action avant la mi-temps. Il est gentil. En ah, mais en il est très bien, mêlée mais moi, je trouve que... Pour les Bordeaux. Mais en plus, il se trompe, il le reconnaît assez aisément. Et ça met, la complicité avec les joueurs, je trouve, hein, et avec les joueurs, Christophe, je pense que c'est important aussi de garder des relations assez simples. Et ça montre beaucoup de fraîcheur. Oui, fraîcheur. Il y en a besoin. Flexion ! Lié ! Allez, c'est ballon pour les. Placement ! Les grenades. Regardez le positionnement de l'attaque des grenades. Allez, on va essayer d'écarter. Comme tu disais, Solène, revenir à des choses simples pour se rassurer. Mais là, la défense dijonnaise, elle attaque. Non, vous êtes sur le côté, vous êtes sur le côté, lâchez. Allez, est-ce qu'on va faire de même côté? Non, on inverse. Ah, magnifique avancée là. Ouais, la joueuse, elle a fait du bien, elle a mis son équipe dans l'avancée. Elle met une fois de plus. On va attendre, il y a une joueuse au sol. Bordeaux, vous jouez la balle au sol, vous essayez de la faire circuler. C'est limite même du squeeze ball, mais bon, vous n'êtes pas sur vos genoux. Fais attention à ces phases de jeu. Alors on rappelle, hein, le squeeze ball, c'est le ballon entre les jambes. Et encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on insiste au ras où là, les gazelles sont au top. Ouais, mais il faut que vous la jouez. Et c'est ça, et c'est dommage, ouais, on s'enferme dans un... Voilà. Ok. Mi-temps. Mi-temps. 45e minute de jeu et mi-temps. Donc on va essayer d'avoir les impressions des staffs. Donc on va suivre Christophe. Donc Solène, on va rester sur les images de Solène avec les joueuses qui rentrent au vestiaire. De quoi ? Vous vous rendez compte de l'arbitrage contre nous ? Vous vous rendez compte ? Sur la dernière action ? 14 pénalités contre nous. 14 pénalités, d'accord ? Dès qu'on a le ballon, vous nous pénalisez. Elles ont le ballon. Elles plongent sur les rocs. Elles grattent les ballons. Elles plaquent haut. Elles se retirent. Vous ne s'y faites jamais contre elles. Jamais. Vous vous rendez compte de l'arbitre ou pas ? C'est normal. On va dézoomer, Christophe. Faut que tu sois dézoomé. Faut que tu enlèves le zoom. Donc là, on entend Albin, Solène, là, qui échange avec l'arbitre. Bon, on va laisser échanger, rester. Donc voilà, on va laisser Christophe maintenant avec Elliot Moreau. T'écoute. Oui, je suis avec Elliot Moreau, l'entraîneur des Gazelles.
Elliot, bonne première mi-temps. En défense, on est agressif dans le bon sens du terme. On se nourrit des fautes de l'adversaire. Et on les pousse à la faute surtout. Oui, on arrive à être assez intelligente en défense. Par contre, les quelques fois où on a fait des fautes, on l'a payé cash. Donc il faut qu'on soit patient, il faut qu'on accepte plus. Même si on perd un peu de terrain, c'est pas grave. Il faut juste se cantonner à pas faire de fautes. Parce que comme tu l'as dit, elles vont en faire. Donc il faut juste qu'on soit patient. Les consignes limitantes, ça va être quoi? Ça va être de remettre les intentions offensives qu'on a eues en première mi-temps. Il y avait beaucoup de filles qui arrivaient avec de la vitesse pour briquer la ligne. Et ça nous a permis d'exister, de marquer des essais. Donc il faut qu'on continue offensivement et défensivement à marquer physiquement ces filles. À 21-0, est-ce qu'on va être dans la retenue ou dans la gestion, ou on va continuer sur le même rythme? Il faut à tout prix qu'on continue. On est là pour travailler. Je vois bien que les filles d'en face, elles sont capables aussi de remonter. En aucun cas, on va être sur la retenue. Il faut vraiment qu'on accélère encore. Merci Elliot. Eh ben parfait, alors on va rester sur un plan large, donc on va faire une petite pause, on va couper le son, on se retrouve dans 5 petites minutes, le temps de changer les batteries et de boire un petit coup, à tout de suite.
Alors nous voici de retour pour cette deuxième mi-temps. Alors il ne manque plus que les images de Christophe. Parfait. Donc les images de Christophe, bord de terrain. Les images de Solène. Voilà. On attend le ballon. Il va arriver. Alors on a attendu Christophe avant l'interview d'Eliott Moreau, le coach d'Albin Louchard. Alors oui, ouais. je suis allé aux consignes. Mmh. Effectivement, le coach Louchard a expliqué à l'arbitre qu'il y avait 14 fautes contre les gazelles et il n'y a pas de carton. Contre, alors effectivement, il y a eu 9 fautes côté Berjalian, 8 fautes côté gazelle. Et il continue, prévention, pédagogie, pas de mauvais gestes, personne ne grogne, il n'y a pas de carton. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Et coup de pied donné par donc notre ouvreuse, je me rappelle plus, j'oublie son nom. Solène, c'était, l'ouvreuse c'était Gandounou. Laura, pardon. Laura, oui, Laura Gandounou. Oui. Gandounou, voilà, c'est ça. Pardon. Pas de souci. Allez, on va essayer donc de zoomer sur notre talonneuse dijonnaise. Donc cette fois-ci, c'est un lancer offert à Dijon. C'est Vic qui prend le lancer. Donc là, on voit, c'est le numéro 3. C'est le pilier droit qui lance. Allez, c'est bien capté. Ah, puis on fait une variation avec du jeu au pied dans le dos de la défense, Berjalian, pour essayer donc de mettre le deuxième rideau sur le reculoir. Mais les Berjalian ont veillé au grain. Alors on va remettre l'arbitre, j'ai oublié de mettre le son de l'arbitre, autant pour moi. Ça va numéro 13. Arrêt du temps. Ah, il y a déjà une blessée. Ah. Faire attention, j'avais sifflé, vous l'avez encore... je sais que vous n'avez pas entendu, je ne dis pas que c'est... Mais vous avez continué de jouer, alors j'avais sifflé là. Christophe, si tu peux avoir éventuellement Albin Louchard avec toi, s'il peut te déplacer éventuellement. Ouais. Je me déplace. On essaye, oui, on va rester avec Solène. Tu veux quoi? Si tu peux avoir Didier ou Régis Meunier qui est juste à côté de toi, à ta droite là. Je l'ai demandé pour la fin, je vais aller voir justement pourquoi il a parlé à l'arbitre. Alors je suis avec un des coachs... des Grenades, Alban. Qu'est-ce qui s'est dit avec monsieur l'arbitre? Non, je crois qu'aujourd'hui, l'arbitrage, bon, c'est pas pour ça qu'il y a 21-0 en soi, mais on n'est pas récompensé dès qu'on a le ballon. C'est un arbitre qui arbitre que l'équipe qui a le ballon, principalement. Ce qui est dramatique entendu, souvent, c'est bon. Parce que c'est à l'encontre c'est du bon. Règlement. Mais entendu, si l'équipe bon, son arbitrage, on a quelques ouais, ballons bon. Plus pour jouer, ça ne veut pas dire qu'on ferait un 21-21, c'est pas ça. Ah, si vous mais aujourd'hui, nous donner la chance de tenir un pas peu plus soucis, le ballon, faut sachant pas qu'aujourd'hui, me parler toutes les deux minutes, mais... voilà, l'arbitrage n'est pas forcément très okay. Équitable là. On reprendra ici, bon, par écoute, en avant du rose, on prendra par une mêlée en possession des Bordeaux. C'est un jeune arbitre, en avant, mêlée, Bordeaux. Et puis, aussi, nous d'être meilleurs, d'avoir des meilleures attitudes pour qu'aussi... J'ai remarqué de l'autre côté... Donc ça, c'est positif. Au moment où on est et les consignes liées, vous mettez non, tête bah, les consignes, ça reste assez simple. C'est qu'aujourd'hui, déjà, on est 20 sur la feuille merci, de match. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de c'est continuer bon à les faire douter parce que Dijon, c'est une belle équipe on pousse pas en introduction, qui joue les deux premières places. Donc aujourd'hui, c'est continuer à les faire douter, continuer à monter fort, tenir beaucoup plus le ballon et on sera récompensé au niveau de l'arbitrage. Merci Albin. Allez, ballon pour les Grenades. Ah, c'est un ballon ça. Allez. Faut que les Grenades là, se remettent la tête à l'endroit, comme l'a dit le coach. Il décolle plus haut quand même. Et malheureusement, faute sur le plaquage. Faut attention sur les et plaquages. Là, et là, oui, on voit que la Dijonnaise a été sanctionnée. Faute sur le plaquage. Okay. Donc on va rester sur l'ouvreur qui porte le numéro 12. Et qui trouve une belle touche. Alors, tout à l'heure, on avait pêché en touche, Solène. Est-ce que... les filles vont réussir à trouver la clé pour avoir enfin des ballons en touche. J'espère. Après, il ne faut pas non plus créer trop d'incertitudes parce qu'au final, nous, ça nous mélange aussi la tête. Il faut rester sur les basiques. Je pense que tu as raison à revenir au simple, à l'essentiel. Quand vous voulez. Et puis Christophe, pour revenir à ce que disait Albin Louchard et puis par rapport à l'arbitre, on a un arbitre quand même qui a su... même à la mi-temps, échanger avec le coach, éventuellement admettre qu'il aurait peut-être pu siffler autrement. Enfin, ce garçon-là,
il est tout à fait dans l'échange de la discussion et il montre quand même de la maturité. Hein. Au niveau arbitrage ? Oui. Alors après, c'est son choix. Hein. Avant le match, on en avait parlé dans les vestiaires. Il veut éviter de mettre des cartons. Alors, j'espère que ça ne va pas le desservir, mais pour le moment, comme dit le coach, hein, à 21-0, c'est pas les cartons. Un carton, il joue à 20 au lieu de 23. C'est flexion. Pas ça qui va faire la différence, à mon avis. Lié. Placement. Reculez, Bordeaux. Reculez, reculez. Un magnifique image de Christophe et de Solène où on voit ici la poussée bergalienne. Avantage. Allez, les Dijonnaises qui là subissent quand même la pression. Là on voit que l'intention des bergaliennes est bien meilleure. Elles sont bien revenues du vestiaire avec d'autres intentions. Et là on voit que cette entame est réussie du côté bergalien pour l'instant. Allez, il faut que ça se concrétise avec des points. Sur la pénalité. 9, faites attention. Alors on l'entend plus, des fois on l'entend, des fois on l'entend pas. Hors jeu. Et malheureusement, on va rendre le ballon aux Dijonnaises qui vont profiter pour se dégager. Donc on aura une touche à 45 mètres on va dire. Bordeaux là. On est obligé un peu de supporter les bergaliennes parce que sinon Solène va nous lâcher avant la fin du match. Donc Mais non, mais c'est vrai que bon, on les connaît pas, on découvre cette équipe Grenade et c'est une équipe qui, on l'a dit, Solène, qui souffre de son imprécision. On confond peut-être vitesse et précipitation et aujourd'hui, on peut pas se le permettre face à une équipe dijonnaise qui maîtrise son sujet. Hein. Oui, après on en est consciente de ça. Hein. On essaye, mais face à une équipe comme ça. Lâchez Bordeaux, vous êtes un peu sur le côté. Ah, c'est vrai qu'on a l'équipe dijonnaise qui est en pleine confiance, ouais, là, ouais. Qui sortez vraiment Blatter, maîtrise okay, c'est bon, nickel. Son jeu. Allez, avec une nouvelle attaque dijonnaise. On essaie de faire un tour de passe-passe. Ouais, là on rafute une fois. Oh, magnifique Chistera. Et il y a du beau rugby. Et ça joue ici avec les trois quarts. Alors, qu'est-ce qu'il on l'a vu, on garde son ballon là. Ah, elle a gardé le ballon. Ballon gardé, la gestuelle est de l'arbitre est très claire, vous voyez, ce geste de pompage. Ah, on va avoir une touche juste en face de moi. Ah oui, donc je suis allé trop loin, c'est en face de Christophe. Vous voyez, Christophe, vous voyez là. Nickel. La gazelle qui fait la touche a mis des lunettes de soleil. Oui, les mettre, mademoiselle, vous avez le droit. Hein. J'espère qu'ils ont mis la crème solaire parce qu'aujourd'hui, il y a moyen de rentrer avec des coups de soleil. Hein. Ah, super image de Christophe. Magnifique image de Solène pour le lancer. Vous êtes sous une saison de Valley. Et on est heureux de mettre en lumière ce rugby féminin de Fédéral 1 qui le mérite tant. Elle est gagnée. Et qui, aujourd'hui, une fois de plus, a gagné ses. C'est fini, mesdames. C'est lettres de noblesse grâce à ce magnifique match. Et ces deux équipes nous proposent vraiment. Lâchez Bordeaux, lâchez. Vitrine pour le rugby féminin. Et puis les gazelles qui reprennent tambour battant. Et là elle va partir. Adam. Essai. Alors là, je vais revenir. J'ai rien contre Alban, le coach bergalien, mais la 15 des gazelles aplatie. Et une joueuse de Bourgoin vient tomber dessus et sauter dessus. C'est interdit. Ça, c'est jaune direct, normalement. Alors, encore une fois, vous voyez comme quoi l'arbitre, il est malgré tout cohérent sur son arbitrage. Voilà, l'arrière voilà, qui trouve l'espace. Bah, une fricadrage débordement qui, au milieu de deux joueurs bergaliennes, va venir aplatir. Et c'est vrai que la 13 qui vient s'essuyer les... Mais bon, voilà, c'est sans lendemain. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Christophe, peut-être qu'on du côté du coach bergalien, il y a de la frustration. Oui, il y a un peu de frustration, ce qui est normal. On est mené 21-0. Apparemment, il nous a expliqué à 20 contre 23, il n'a pas les armes pour faire un gros roulement, un gros changement. Bon, malgré tout, les gazelles sont un peu légèrement au-dessus quand même. Hein. Allez, Lilou Jaloka, là, qui a un ballon à sa portée. Qui a une attitude très Wilkinsonesque, on peut dire. Hein.
En tout cas, elle est plus belle que lui. Hein. Oui, absolument. Elle va rester sur Lilou. Et on rajoute donc 2 points supplémentaires. On est sur un score donc de 28 à 0. Moi, je trouve, personnellement, je trouve que c'est dur pour les Grenades parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité de pouvoir scorer. C'est pas par manque d'intention, mais c'est trop d'imprécisions, trop d'erreurs dans les zones de rencontre, dans ces rocks. Et puis en conquête, hein, on a perdu trop de ballons en conquête. Hein. Ah, y a une... bon. Ballon aussi, s'il vous plaît. Nickel, merci. Ok, c'est bon, la joueuse est en place. Reprise du temps. Quand vous voulez. Allez, les gazelles qui reprennent le ballon. Alors, c'est un ballon renvoie au milieu du terrain. Est-ce que c'était une bonne idée? Ok, c'est bon, il n'y a rien. Ballon récupéré par les Bergelines. Allez, c'est un bon ballon là pour elle. Allez, faut en profiter là de ces ballons. C'était une bonne idée. Oui, absolument. Lâchez, vous allez mettre au sol. Vous venez attaquer au sol. Avantage. Allez, on enchaîne les temps de jeu. Magnifique. Sur ma ligne. Il y a un avantage de bras élevé. L'avantage profitera pas, on viendra ici. On fait attention, Rose, on vient attaquer au sol, la balle. Si on vient prendre la balle, pas le ballon. Pas on. 4 appuis. Bah, je trouve qu'il est très très bien, okay. Ce garçon. Il explique bien les choses. Et nouvelle pénalité. Allez, cette fois-ci, cette touche-là, il faut que les berges d'Alien et les Grenades arrivent à en profiter de cette rampe de lancement. On a perdu trop de ballons sur ses propres lancers. Et là, il faut qu'on arrive à trouver la formule. Alors, comme tu dis, Solène, certainement, revenir sur des choses simples. Surtout en touche, là, où on est près de la ligne, il faut qu'on concrétise. C'est le moment, là. On n'a pas le droit à l'erreur. Ah, puis ce serait une juste récompense là, pour les berges d'Alien qui méritent tant voilà, de pouvoir enfin être récompensés de leur temps fort. Attendez 3 secondes. Okay, allez, vous voulez. L'arbitre qui est bien placé. Et bon, c'est conservé quand même, mais c'est vrai que c'est un ballon, on a perdu 10 mètres. Lâchez. Vous êtes assistante, madame. Allez, les Virgaliennes là qui enchaînent. Ouais, magnifique. Mais magnifique temps fort là, oui, ça va aller au bout. Ah voilà, les berges d'Alien récompensées par la numéro 16. Vous êtes au niveau du coup, là. On va rester sur la numéro 16 pour suivre la scoreuse pour l'équipe berges d'Alien. Merci. Et on va revoir cet essai suite à cette touche qui voilà, a été, on peut dire, manquée au départ. Mais les berges d'Alien ont su fructifier. Donc ballon manqué, on a reculé 10 mètres. On se retrouve sur la ligne des 22. Mais on inverse sur cette touche avec la numéro 10 qui joue rapidement. Magnifique percée, 1, 2, 3 joueurs dijonnaises fixés. Ouais, nouvelle passe après contact, à nouveau, on en fixe 2. Et là, la numéro 16 qui va aplatir dans leur but et qui offre les 5 premiers points à l'équipe bergalienne, des points tant mérités. Et voilà, je ne dis pas que le match est relancé, mais en tout cas, les Grenades sont enfin récompensées, Solène. Hein. Oui, maintenant, il faut continuer comme ça. Ceci dit, la maître à joueuse numéro 12, Jean Donou, c'est quand même là. Transformé, hein, c'est passé les points. Là. C'est passé. Oui, excuse-moi Christophe, je t'ai coupé. Oui, c'est le maître à jouer. Hein, je pense qu'il va falloir que les gazelles décrochent un troisième ligne sur elle pour venir couper les extérieurs parce que sinon, elle va continuer à distribuer le ballon et faire son jeu au pied. Ils vont se rapprocher et ils vont scorer. Mais c'est vrai qu'elle a réussi à mettre ses copines dans l'avancée, cette numéro 12. Elle a fait beaucoup de bien. Ah non, c'est bon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Recule un peu. Un recul. Nickel, merci. Quand vous voulez, botteuse. C'est Lilou Lajaloka, capitaine. Allez, on rend le ballon. C'est bon, vous êtes remis en jeu.
Et on relance du côté dijonnais. Lâchez, lâchez. Sur ma ligne. Vous pouvez monter. Allez, Anoyer. Là. Oh, magnifique interception là. Allez, ça y est, c'est le réveil des grenades. Pour la beauté du rugby, on est content de voir enfin ces grenades réussir à avoir des temps forts qui sont... Oh, dommage, faute de main, c'est pas possible. En avant. Ah, Solène, ah, on fait tout pour les pousser de la voie. Et, mais là, c'est une magnifique interception. Elle a bien lu le jeu. Hein. Elle fait tac, tac. On a un blessé. Ah ouais, on a le numéro 1, je crois, au sol. Arrêt du temps. Oh, merci, Christophe, pour ces belles images. Alors, je fais un petit coucou amical à Arthur Mirepoix, le manager de l'équipe des Gazelles, qui nous voit depuis le Portugal et depuis la magnifique ville de Porto. Arthur, je te salue. Arthur qui a mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir aujourd'hui, qui nous a mis dans les meilleures dispositions. C'est vrai qu'il doit être content de voir les Gazelles réussir cette partie. Donc on le salue bien. Tout comme leur manager Yves Rétière qui est en Argentine. Oui, Yves Rétière, voilà. J'avais oublié. Yves Vonvon pour les intimes. Ouais, Vonvon, j'ai Vonvon. Pas osé. Bah, écoute, on peut. Je pense qu'on le connaît plus. Les amateurs de rugby connaissent Vonvon. Ouais. C'est un personnage du rugby local. Et donc, ouais, on salue Vonvon depuis l'Argentine. Alors, peut-être avec le décalage horaire, je ne sais pas s'il est déjà levé. À ce temps-là, s'il doit être au petit déjeuner. Vonvon, on t'embrasse. Attention sur le petit déjeuner. Il faut pas lui en promettre avant bon petit déjeuner. Non. Allez, on est donc joueuse blessée. On profite. Donc ça va être. C'était pas le water break. On est un petit peu tôt, mais peut-être qu'ils vont en profiter. Ouais, le coach qui fait tout, hein, les bouteilles, tout. Hein. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment une belle image de voir un coach voilà, au service de ses joueuses. Voilà, on est sur un rugby féminin où on a deux joueurs, deux coachs de grande qualité. On parle de Yves Rétière qui a joué au plus haut niveau en fédéral. On parlait de Hugh Chalmers qui a joué en première division en top 14 et qui est au service de ses joueuses. Par un en avant du Bordeaux. Donc Elliot Moreau qu'on ne présente plus, qui est au Gazelle depuis de nombreuses années et qui est au petit soin pour ses joueuses. Je trouve que c'est vraiment une belle image de montrer que le rugby féminin mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et du côté du club dijonnais, on donne tous les moyens possibles pour que ces joueuses puissent exprimer pleinement leur rugby. Et je crois que du côté du CHBJ, on investit aussi beaucoup dans ce sport, hein, dans cette discipline, dans la section. Alors, la section des grenades est choyée par le club. Ouais, c'est vrai que depuis un petit moment, on a des choses mises en place et on espère que ça va continuer de plus en plus. Avec des équipes cadettes, j'imagine. Quelles sont les différentes divisions féminines qu'on a au CHBJ, si on peut le présenter brièvement? On a toutes les équipes jeunes et ensuite on a une équipe cadette et une équipe senior. Flexion. Lié. Placement. Ah, magnifique image de Christophe. On voit ici cette poussée. Ah, image de... Ouais, là, on voit la poussée. Là, vous avez tous les plans possibles imaginables. Plus. Allez, mêlée. Allez, les Dijonnaises qui... Oh, magnifique redoublé. Ah, sympa, ces combinaisons. Et les Gazelles là, qui... Et les Lières là, qui se fait la malle. Ah, ça va aller, Adam. Et ça va aller, Adam. Et magnifique essai. Ouais, Solène, elle est déçue. Allez, on va rester sur l'image avec Christophe sur la marqueuse. On se rend coup pour coup. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que cette équipe bergelalienne qui a proposé des belles choses, voilà, cette fois-ci, une fois de plus, elle paye cash, voilà, des erreurs. Et là, regardez cette magnifique offensive de l'ailière. Un joueur éliminé, deux joueurs avec un raffut, un nouveau un joueur, ça se joue à la couche. Et voilà, elle pousse et le pousse sur ses jambes pour arriver en bout. Et la défenseuse Grenade arrive au bout de son effort pour empêcher la joueuse dijonnaise d'aller plus loin. Mais voilà, magnifique essai. Côté score, ça donne quoi? Donc là, on est à 28 plus 5, donc on est à 33. Et on attend la transformation de Lilou. Donc on va faire un plan serré sur Lilou Jaloka, la capitaine. Voilà, qui prépare son coup de pied. Moi, je vais vous préparer le plan large pour la transformation. Ah, c'est sympa ces images avec Solène et Christophe là. Alors, rappel, hein, les 30 secondes pour botter, c'est l'arbitre hein, qui les gère. Hein. 30 secondes, une minute, excusez-moi. Allez, notre
Lilou Wilkinson. Ah, regardez, j'aime bien voir cette attitude. En vrai, j'ai mon petit garçon qui est un buteur de son équipe et qui est friand de ce genre de détails. Et c'est le premier raté de l'équipe de Lilou, Jaloka. Donc on reste sur un score donc de 33 à 7. On va rester sur Lilou. Parfait, Solène. Alors, Solène, ça y est, elle est embauchée. Alors j'annonce officiellement au club du CHBJ, vous venez de perdre votre joueuse. Elle a intégré avec brio le test d'une saison de Valley. Après, il y a la troisième mi-temps. Alors nous, on a un peu peur parce qu'on nous a promis qu'il ne fallait pas en promettre à Solène. Et si je dois choisir entre Fabrice et Solène, je prends Solène. Oh, ça sera disons, mon Fabrice. Ça sera répété à Fabrice. Hein. Allez. En avant. Allez, ballon, les grenades. Une fois de plus, les grenades là, qui enfin récupèrent des ballons sur les coups de renvoi. Et okay. Malheureusement. On a un plaquage à deux ici, on en a un avant là-bas. On choisit quoi? Et Christophe, tu avais bien enregistré, tu es bien sur le bouton rouge, j'ai oublié de te demander. Oui, oui, on est bien sur le bouton rouge. Plaquage à deux simultanément. Désolé, nos petits détails. C'est notre petite salade. Allez. Et une touche. Ah, c'est vrai que c'est touche, ça va être, je pense, la conquête en mêlée, ça va ici. Encore, je trouve que ça a été équilibré. Mais c'est touche, il faut vraiment trouver des solutions du côté de Bourgoin pour avoir des ballons propres. Allez, on va suivre à nouveau la talonneur au lancer. Alors, c'est la numéro 16 maintenant qui lance. Oui, c'est Cyrielle Dumont. On va essayer de suivre. Du loup. Qui vient du loup. Passage au stand pour monsieur l'arbitre. Il reste 3 minutes. Quand 3, vous 3 minutes avec le branle, water break. Belle touche à deux mains. Ah, enfin, bon ballon. Et quand on voit que les grenades peuvent récupérer ces ballons en touche proprement, regardez, ballon porté. Un bon porté d'école. En avant. On sait que du côté de la Bergerie, on aime ce type de travail d'avant. C'est vrai, Christophe, on parle de Bourgoin forcément avec beaucoup de respect vis-à-vis de l'histoire de ce club masculin qui a été au plus haut niveau français et européen, parce qu'ils ont fait aussi des belles épopées dans les challenges européennes. Mais c'est vrai que de l'écrire aussi cette section féminine, on sent voilà, une renaissance de ce club qui, tel le phénix, renaît de ses cendres. Oui, petit à petit, ça renaît de ses cendres. Pascal Papé a repris en main les seniors. Olivier Carreras du Stade français est venu encadrer un peu la passion de l'école de rugby, de la formation et surtout des espoirs. Les filles qui pointent leur bout de nez en Fédéral 1, oui, c'est pas une renaissance, mais on va dire que c'est peut-être le renouveau même. Ah, on est content pour ce club qui nous est cher et qui a fait rêver tant les amateurs de rugby. Ah, il fallait venir jouer à Pierre-Rajon, c'était quelque chose. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'un Pierre-Rajon, c'est un stade mythique, ouais, hein, Solène. Hein. Ouais. Si les grenades, c'est des couleurs qu'on garde en tête. Absolument. Et ces grenades, même si le score est lourd aujourd'hui, elles ont produit des belles choses et elles rendent leur équipe fière et rendent honneur à leurs couleurs. Porter le couleur ciel et grenat, c'est une responsabilité. Hein. Oui, c'est sûr, c'est un respect de maillot, c'est un amour pour les couleurs et surtout pour ses valeurs. J'en parlerai à monsieur l'arbitre qui les appelle les Bordeaux alors que c'est les grenats. Ah, je pense que c'est peut-être pour s'enlever de la pression quelque part, hein, parce que. Après, il a 18 ans, hein, il a peut-être serait que moi, oui, été marqué vrai. Par notre histoire récente avec le CSBJ. Alors, CSBJ qui est venu à plusieurs reprises ici en national s'opposer au stade Dijonais. Donc, les garçons connaissent bien ce stade. Hein. Ah, j'entendais les filles tout à l'heure qui étaient contentes de jouer à Bourillot parce qu'elles trouvaient un stade sympa, une belle enceinte. Je pense que ça fait plaisir pour vous de jouer dans des. C'est sûr, on n'a pas toujours l'occasion de jouer dans des stades comme ça où on a de la place pour les supporters, des locaux de qualité et surtout un terrain. C'est la dernière action avant la water break. Assez, assez emblématique quand même. Flexion. Un terrain fraîchement tracé par la ville de Dijon quelques heures avant le coup d'envoi. On ne fera pas de commentaires à ce sujet. Non, on rigole, bien sûr. Non, mais le service technique a fait ce qu'il fallait pour que les filles puissent avoir un terrain bien tracé. Ah, et puis les guerrières ciel et grenat. Lâchez, non. Qui à la 63e minute de jeu continue. Vous n'avez pas le droit de la prendre. Allez, coup franc pour laisser les grenades.
Allez, on est dans les sur les 22 mètres. Et là, on va essayer d'offrir 3 points supplémentaires. Je pense qu'on est plus, hein, Solène, pour peut-être faire souffler les organismes, parce qu'on ne se rend pas compte. La température, ouais. Christophe, qui est au bord du terrain, lui, s'en rend bien compte. Mais ouais, il fait chaud, les organismes souffrent. Il n'y a pas une pointe devant, il n'y a rien du tout. Par contre, j'ai jeté un œil du côté banc de touche vergalien. Ça peste, hein. Toujours pas de carton, hein, ça peste. Ouais, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir le micro-arbitre, hein, Solène. Donc, c'est vrai qu'on a une appréciation du match qui est complètement différente de la part d'Albin qui n'entend pas les commentaires. Donc, je pense que voilà, il pourra voir la vidéo à tête reposée et puis voir que l'arbitre a, malgré tout, maîtrisé son sujet avec beaucoup de maturité malgré son jeune âge. Allez, on va avoir un water break. Bienvenue. Et les berges d'Alien qui réduisent la marque avec cette pénalité. À Hugh Chalmers, vous voyez, porteur d'eau, c'est la classe quand même. Hein. Chalmers quand même, porteur d'eau de cette équipe Gazelle. Moi, je trouve que c'est un très, très bel exemple, c'est une belle image. Je vous invite tous, les jeunes, hein, surtout les plus jeunes, à reprendre YouTube et taper Hugh Chalmers et regarder un peu ce qu'il faisait en touche. Alors, il avait, on va dire, une quinzaine de kilos en plus. C'était vraiment un guerrier, prenait en touche, un flanqueur de renom et puis voilà, un marqueur d'essai aussi. Voilà, donc moi sur mon plan large, j'ai les deux équipes. Solène qui est sur le plan des berges aliens, Christophe qui est ici sur l'équipe des. Pardon, je me suis trompé de plan. Qui est sur l'équipe des gazelles. Voilà, water break à la 65e minute de jeu. Bah, Christophe, profite-en pour prendre une petite goutte, Solène aussi. Moi j'ai déjà bu ma bouteille, voilà, mais. Buvez éliminé, c'était une pub des années 80. Et ben ça, aujourd'hui, il faut pas oublier sa bouteille d'eau, sa casquette. Avec fruité, c'est plus musclé. Exactement. Aussi, hein. Les couleurs vont enfin réapparaître. Les beaux bronzages vanille fraise vont être au goût du jour cette semaine. Avec le bandeau. Avec le bandeau. Voilà, hier, j'étais à Saint-Claude avec l'équipe des U14 de East-sur-Tille. D'ailleurs, je salue nos U14 qui ont brillamment gagné face à Saint-Claude sur un score de 47-0. Et je salue également la victoire de cette équipe face au Creusot. Magnifique match nul avec une belle opposition face au Creusot. Et je tiens à rendre honneur aux filles de cette équipe parce qu'en moins de 14, on joue en mixte. Et l'équipe des Gazelles, composée donc de 5 joueuses féminines, a fait une très très belle prestation. Les filles ont vraiment bien défendu leur couleur. Je sais pas si. Et un magnifique essai de féminin d'ailleurs. Oui, si, Christophe. Si tu vois, qui aurait cru il y a quelques années encore qu'on allait faire un bandeau sur les oreilles d'une demoiselle. Ben ouais, mais je trouve que franchement, depuis qu'on voit le rugby ici au stade Bourriaud et qu'on accompagne les gazelles, on découvre vraiment un rugby extrêmement intéressant. Et même les photographes sont féminins allez, dans le rugby. Un petit clin d'œil, voilà, photographe féminin, c'est cool. Attention au câble, Christophe, quand tu tournes, essaie de pas trop tourner dans le même sens, vérifie que tu ne sois pas coincé. Prends ton temps pour mettre dans le bon Capitaine sens. Capitaine Rose, prêt? Capitaine bien Bordeaux, Claude, prêt? On voit le métier. Hein. Ah ben non, mais je me suis fait prendre, donc Capitaine, tu sais. Capitaine, prêt? C'est qui là, Capitaine Bordeaux? Allez, donc 67e minute de jeu. On a été sur un water break qui a fait le plus grand bien. Et j'espère que vous passez un délicieux moment en notre compagnie avec ce magnifique match entre les gazelles et les grenades. Allez, les filles qui nous offrent une magnifique échappée là. Allez, les gazelles qui. Attention, ils sont en train de subir le réveil des grenades. En avant. Et là, on voit que les grenades, elles vont rien lâcher jusqu'au bout. Hein. Ou peut-être exploser. Et là, malheureusement, voilà, ballon récupéré. Oh là là. Et c'est l'ailière là qui va venir scorer. Ah, c'est un peu dur malgré tout. Hein. Eh, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est dommage parce que j'étais en train de faire un compliment. Alors, je leur ai porté la poche. Je vais arrêter de faire des compliments aux grenades parce qu'elles sont en train de faire un magnifique temps. Voilà, sur un ballon de récupération. C'est les meilleurs ballons qui existent parce qu'ils font beaucoup de bien. Là, on voit cette action. Ballon récupéré. Et tout de suite, on se projette vers l'avant du côté des gazelles. Et la numéro 11, en fait, qui fait un festival, qui va marquer un essai de plus de 80 mètres. Parce qu'elle a transpercé complètement toute la défense bergalienne. Et comme une grande, après avoir récupéré le ballon dans ses propres 22, bah elle va aplatir entre les perches.
Alors ceci dit, Pratt, l'ailier capitaine, a pris ce ballon, a fait plus de 60 mètres, mais n'a pas jeté un seul coup d'œil à l'intérieur. Elle aurait pu revenir un peu au centre ou attendre son soutien. Elle s'est trouvée esselée, le soutien a manqué, a tardé, et on s'est nourri de ces fautes-là. Absolument. Et ça fait 40. Ah, moi, je trouve que c'est un beau match préparatoire pour les gazelles en vue des phases finales qu'on avait dit un objectif principal de cette fin de saison pour l'équipe bourguignonne. Mais c'est lourd payé pour ces Grenats qui, malheureusement, voilà, ont trop payé leur imprécision et l'ont payé vraiment au prix fort, hein, Solène. Hein. Oui, c'est dommage. C'est même démoralisant parce qu'au final, dès qu'on sort un peu la tête de l'eau, on replonge dans nos travers. Et ouais, je pense qu'on pourra aborder ça, Christophe, avec les coachs. Là, cette équipe peut-être encore un peu jeune, oui. Et peut-être un petit peu trop, joueuse. Naïve. Et naïve. Peut-être naïve, ouais, c'est le terme. Qui manque un petit peu de maturité. Un peu de vice, oui, c'est ça, un peu de maturité. Mais je pense qu'il y a un bel avenir, hein, pour ce rugby bergalien. Il faudra les encourager, je pense, tout à l'heure. Ça va, 23 ? Attendez, attention, non, il y a un blessé derrière vous, regardez. Aussi. Mais alors, j'ai pas potassé, c'est un fait, mais il me semble que les bergaliens étaient en finale ou championne de la division inférieure l'année dernière, non ? Oui, c'est ça. Ah, j'ai suivi. On termine championne de France l'année dernière. Voilà. Ok, merci. Pourquoi je m'en souviens ? Parce que mes Pink ont été champions de France de Elite 2. Mais il me semblait que les Bergeliens avaient joué juste avant. Ah, en avant. Alors c'est vrai que cette année, si je ne dis pas de bêtises, Solène, les finales féminines se jouent à Pierre-Rajon. C'est ça, on a été... Et c'est à quelle date ces finales ? Je ne sais pas. En juin, si, le 8 juin, pardon. Alors Christophe, on avait été contacté à un moment lors du stage Génération Bleue. On me posait la question si on était prêt à venir au stade Pierre-Rajon. Donc écoutez-nous, on est des fiers défenseurs du rugby féminin. Si vous voulez nous inviter pour les finales féminines le 8 juin, hein, Christophe, je pense que ce serait une belle journée. Hein. Le 8 juin, oui, c'est faisable. Et puis en plus, il y aurait les fameuses joueuses du Stade français seraient potentiellement là, je crois, non ? Non. Non ? Non, par contre, il y aura Solène. Ah, il y aura Solène, c'est sûr. Ah, ben sera. Oui. Et oui. Oui, mais on va pas la lâcher maintenant, c'est fini. Hein. Lié. On va essayer de déréfléchir et tendre des perches, voir si on peut éventuellement être présent pour ça. Sachez qu'on sera présent pour les finales régionales la semaine, dans 15 jours, à Beaune. Ça joue, elle a le droit. Ça allait vite, on s'est fait surprendre. Et ces pénalités étaient rapidement jouées par des joueuses dijonnaises. En avant. Qui ont joué avec leur expérience, une fois de plus. Hein. On voit que ces filles dijonnaises sont capables de jouer avec... voilà, comme tu dis, ce vice, mais moi je pense partirait plutôt de métier, on va dire, hein, Christophe. Hein. Oui, c'est ça, la différence se fait là. Se fait que elles montent d'une division, elles sont jeunes, elles sont peut-être pas au complet, mais malgré tout, côté dijonnaise, ont tous les trous, enfin toutes les occasions, elles les jouent à fond, elles les calculent pas. Mais je pense, voilà, on en a parlé avec le président Foulon au début de rencontre de ces. L'objectif de ce club de Dijonais. Mais c'est vrai que ce club Dijonais a fait un pari osé l'année dernière de descendre volontairement d'élite 2 en élite, en fédération, en fédérale 1 pour pouvoir souffler économiquement et aussi sportivement. Il faudra réussi. Oui, Christophe. Ouais, il faudra qu'on en reparle avec le président parce que normalement, quand une équipe demande d'être rétrogradée ou de ne pas monter, elle n'a pas le droit de disputer les phases finales et elle ne pourra pas monter. Elle ne pourra peut-être pas monter, absolument. Je pense que le club essaie peut-être de construire sereinement. Ok, vous avez le droit, c'est un rec. L'économie du rugby en Bourgogne-Franche-Comté n'est pas simple. Hein, on en parlait juste avant, Christophe. Oui, on en parlait, oui. Alors, effectivement, pour moi, c'est un bon choix. Même si on ne peut peut-être pas monter, et ce n'est sûrement pas le but des gazelles, mais au moins repartir sereinement, financièrement, ce qui est le cas, et surtout sportivement pour les filles, hein, faire souffler, parce que plus voilà. On monte l'échelon, plus l'élite devient compliquée. Hein. Absolument. Bah, on l'avait suivi l'année dernière face à un magnifique match face aux Valkyries de Rouen, où elles avaient été vaillantes. Mais je pense qu'elles ont subi comme les Grenats subissent aujourd'hui. Il y avait vraiment une marche qui était un petit peu trop haute. Mais les gazelles n'avaient pas démérité.
Et c'est vrai que c'est, on a parlé avec le président des générations de cadettes qui arrivent. Là, en 2025, il y a 20 cadettes qui vont intégrer l'équipe senior. Et il y a un renouvellement. Je pense que c'est cette nouvelle génération de féminines cadettes qui vont venir apporter au rugby féminin de nouvelles forces vives. Et la formation est le point d'orgue du futur Dijonais. Ah, le cadrage, c'est fait. Ah oui, on l'avait venir. Doublé de la capitaine, non, de la numéro 11. On l'a vu à l'appui, hein, elle a fait un appui, le défenseur a été pris et a glissé sur les extérieurs, elle a pris l'intérieur. Elle va rester sur la buteuse, donc voilà, on était sur une mêlée, on remonte le ralenti, mêlée maîtrisée par les Dijonnaises dans les 22, on ne recule pas, ballon offert à la ligne de 3 quarts. La numéro 10, voilà, qui trouve la numéro 11 qui s'intercale et crochet intérieur. Voilà, la défenseuse, la troisième ligne, s'est fait prendre au piège. Et nouvel essai pour les Dijonnaises. 45 pour l'instant avant la transformation donc de Lilou. Oh, on a un peu de peine pour les Bergériennes qui n'ont jamais fermé le jeu, qui ont toujours attaqué, qui ne sont pas énervées. Mais bon, le score est quand même logique. Hein. Ouais, le score est logique. Alors, le score est lourd, mais logique. Et ça fait 47. On a changé de buteuse. Ah, c'est pas Lilou, pardon. C'est 47 à 10. Bah, c'est lourd hein, pour l'équipe bergérienne qui paye le prix fort, le prix de l'apprentissage, on peut dire. Hein, comme ça, c'est la... C'est apprendre le métier, apprendre ce niveau fédéral 1 que vous avez découvert cette saison. Mais je suis pas inquiet moi pour le futur de cette équipe Grenade qui montre voilà, de belles choses. Et il y a un avenir ciel et Grenade qui s'offre à elle. Si je peux me permettre ce jeu de mots, cette boutade. C'était facile. Hein. Elle est belle. C'est derrière, c'est encore derrière. Et on relance du côté. Passe en avant. Et passe en avant. Elle est limite, mais elle en avant. Oui, il n'y a pas de petits en avant, Christophe. Hein. Non, il n'y a pas de petits ni de grands et en avant. C'est vrai que c'est chouette. Non, voilà, franchement, bravo à ces filles. On ne se rend pas compte. Hein, les images ne rendent pas compte de la température estivale qu'on a aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on ne va pas se plaindre, on a tellement bavé cet hiver de temps capricieux et difficile. Mais là, la transition, elle n'existe pas. Hein. On passe Manu, qu'elle s'en rend compte. Et puis, je reviens toujours avec le coach. Avec le coach. Levez-vous. Il peste toujours. Il n'y a pas un avant, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ah, il ne va pas lâcher le morceau. Hein. Ah, c'est un compétiteur, Albin. Ça doit être sympa, les causeries d'avant-match. Et en attendant, monsieur l'arbitre va faire son petit match tranquille, il est déjà bien. Je pense qu'Albin, peut-être reposé, il pourra entendre l'arbitrage qui est cohérent. Et vu le jeune âge de ce arbitre, d'une maturité quand même remarquable. Ah oui. Allez. En avant, avantage. Allez, malheureusement, les grenades qui ne profitent pas. Et qui rentrent trop vite ce ballon, c'est bien dommage. Ah là là, c'est frustrant parce qu'on sent que cette équipe Grenade a tellement de belles choses à offrir. Et malheureusement, on a le ballon qui glisse. J'ai l'impression qu'avant d'affronter les gazelles, l'équipe Grenat affronte ses propres peurs, ses propres craintes. Ouais. Nous, notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. On se joue toujours à nous-mêmes. Allez, la joueuse Grenat. Et les mamans qui réconfortent. Allez, on revient au jeu avec cette magnifique poussée. Allez, ballon est sorti, coup de pied. Et touche. Oui, mais on est dans les 22, madame. Alors, on est sur un rythme qui a nettement baissé, mais les organismes sont en train de souffrir depuis tout à l'heure. Et ce qui est normal, là, c'est compliqué. Là. Je sifflerai, vous êtes hors jeu. Je vous rappelle, vous n'avez pas le droit de monter tant qu'elle n'a pas levé la balle pour la 9. Pour la mêlée, vous montez. Vous... Ok, non, je vous préviens. Là, je vous le préviens. La prochaine fois, je ne vous préviendrai pas.
Voilà, on rappelle la règle, hein. Quand une mêlée, on fait une mêlée, elle est talonnée, elle arrive dans les pieds du troisième ligne. Le relayeur, le numéro 9 ou autre, peut toucher le ballon. Tant que le ballon n'est pas levé, on n'a pas le droit de venir jouer la balle. C'est ce que monsieur l'arbitre répétait. Donc la prochaine fois, il va sévir. C'est vrai que pour jouer au rugby, il faut connaître la règle. C'est important. Ah, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un sport où on met l'accent là-dessus, avec beaucoup de cours d'arbitrage dès les jeunes catégories. Et c'est tout à l'honneur de ce sport de vraiment insister sur l'apprentissage, la connaissance de la règle, avec beaucoup de référents arbitres présents dans les clubs. Et nous, on en profite. Alors, avantage, on profite de ta présence, Christophe, mais aussi souvent aussi la présence d'arbitres des clubs qui nous aident. Et c'est un plaisir. On revient à l'avantage. Et je sais pas si toi, tu avais toujours connu ou ça, cette intégration des arbitres dans les staffs, Christophe. J'ai l'impression que c'est quand même. Alors, ça fait quelques années où tu es obligé par club d'avoir tant d'arbitres. Sinon, ben, c'est comme l'école de rugby, c'est comme les cadets et c'est comme les juniors. Tu ne pourras pas monter dans une division supérieure. Et puis en plus, si je ne dis pas de bêtises, ouais, et on m'arrêtera si je me trompe, il y a des points qui sont attribués aux bons élèves. C'est ça. Et voilà, si on est bon élève, on a des points bonus au cours de la saison. Donc le classement peut varier avec des points dus au bon respect des règles et concernant la mixité et l'arbitrage. Et certaines différences quand les championnats sont très serrés peuvent se faire là-dessus. C'est ça. Et touche dans les 15 mètres. Dijonais. Ah, magnifique en touche. Avant. Ah, dommage. Oh, une fois de plus. En avant. Ah, on n'aura pas eu beaucoup de lancers de qualité en touche. Enfin, de rampe de lancement, pas de lancer, mais parce que c'est coordination, c'est pas la faute du talonneur, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Non, on pense déjà à la réception alors qu'on n'a même pas attrapé le ballon, c'est dommage. Ah, c'est dommage, cette touche n'ont pas pu apporter cette rampe de lancement qui est importante. Vous dépasse pour pouvoir avancer. Merci. Vous faites l'effort de reculer. Ah, superbe image, bord de terrain de Christophe là, qui nous permet de profiter de détails de la mêlée. Lille. Placement. Ballon rendu aux Dijonnaises. Et Dijonnaise qui on prend c'est pas bon, de risque à ce moment de la partie. Allez, on a relancé. Allez. Attention, vous êtes tout en jeu. Ouh, là, ça se va, il y a beau duel. Elle est rentrée par les roses. Ce sera de Mélas 1 mètre pour les Bordeaux. Pour les Grenats. Allez, allez, temps fort, Grenat. Allez, c'est un temps fort sur une mêlée. Pour l'instant, on s'est bien comporté en mêlée du côté ciel et blanc. Ciel et Grenat, pardon. Il faudrait profiter de la capacité à fixer 8 joueurs roses et enfin pouvoir passer la ligne. Merci. Je pense que ce serait mérité. Il y aurait rien à dire si les Grenats étaient récompensés d'un essai. Lié. Et comme vous pouvez le voir sur plan large, on est à 5 mètres de la ligne. Ouais, essai, voilà, enfin, bien on va rester structuré, sur oui. Les marqueuses. Grenat, voilà, sur l'équipe Grenat, c'est bien. On voit la joie, la satisfaction. Moi, je suis content pour elles parce qu'elles n'ont pas baissé les bras et c'est vraiment tout à leur honneur. Allez, on voit cette mêlée. Donc, cette mêlée introduction, ciel et Grenat. Donc, on voit le plan large, on était à 5 mètres de la ligne. Donc, intro, et là, la numéro 8. Qui prend ses responsabilités c'est et qui, point fort, et qui exactement et qui est sur 5 mètres et inarrêtable et qui a fait le taf, a fait le boulot. Allez, on a donc 15 points, je pense que c'est. Ceci dit, vu son gabarit, ils auraient tort de s'en priver à 5 mètres de la ligne. C'est sûr. Baisse la main quand vous pouvez monter, d'accord. Non, c'est pas pour vous. Elle va rester sur la buteuse. Ciel et Grenat. Avec Lilou, avec Solène. Allez, est-ce que ça va passer? Non. Non, ça passera pas. Donc 5 points de plus. On va rester sur la buteuse avec Solène. Non, on est à 3 minutes 30. Ouais. Buteuse malheureuse, malheureusement. Qui aurait bien aimé rajouter 2 points supplémentaires au tableau d'affichage aux copines. L'arbitre a annoncé 3 minutes 30.
Et on va revenir, donc on est sur un score de 47 à 15. Et voilà, je pense que c'est une juste récompense que cet essai marqué après cette belle mêlée. À qui, voilà, je pense, donner du baume au cœur à l'équipe Ciel et Grenin, Solène, je pense. Hein. Oui, ça permet de se rassurer un peu comme on peut, mais le match n'est pas fini. Et puis surtout qu'il y a encore des échéances, encore une rencontre à jouer, c'est ça dans le championnat. Dans les règles. C'est derrière, jouez. Allez, beau duel. Ah, ils n'ont pas abdiqué. Non, lâchez, les mains au sol. Ah, c'est beau, ça ne lâche pas. Hein. Allez, les Ciel et Grenin qui repartent de plus belle. Non, lâchez. Allez, on se rassure avec des cellules d'avant. On peut monter. Et notre numéro 10 qui relance le ballon. Ah, on est bien organisé derrière malgré tout. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on a bien lu et malheureusement, c'est pas possible, non. Et si les Dijonnaises qui rajoutent un essai. Ah, c'est dur. À chaque fois, c'est la même chose. On vient scorer côté Bergin-Lien, derrière, on enclenche en rectifiltir côté Gazelle. Allez, on va revoir l'essai. Il va rester 2 minutes. Marqué par la Gazelle. On donne ce coup de pied. On va revoir l'action. Donc c'est sur le coup de pied là, de l'arrière. Non, de la 10, pardon. Et là, l'arrière Dijonnaise qui relance. Un essai, voilà, un plaquage voilà, qui ne permet pas de récupérer le ballon. Et la 22 qui s'échappe dans les 15 mètres et qui va aller faire l'effort pour aller rajouter 5 points supplémentaires et en plus on score entre les perches. On est donc sur un score donc de 52. Il va rester sur la buteuse. Dernière action. 52 plus 2. Pas de soucis. 54 à 15. On peut donner le nom de la numéro 10, Solène. La numéro 10 des Gazelles. Non, Févérial. Févérial. Oui, pardon. Un numéro 10. Pardon. Hein, des Gazelles. Non, c'était le numéro 10 des Gazelles. Ah oui, des Gazelles, oui, pardon. Oui. Malnois. Ah, parfait, voilà. Excuse-moi, oui, je disais Solène, mais j'aurais dû dire Christophe, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Bah, je crois que je suis fatigué aussi, hein, puis j'ai tellement parlé. J'ai un peu soif aussi, j'avoue. On va aller faire un tour à la buvette tout à l'heure. On a revu des anciens copains à Christophe et à moi. Est-ce que c'est la fin du match? Ouais. Allez, on va suivre. Fin du match. Et on va suivre. Alors, Christophe, tu vas pour t'installer. Je vais prendre avec Hugues. Si, installe-toi comme tu étais avec les caméras, parfait. Et dès qu'on a des coachs. Et victoire des Gazelles sur un score de 54 à 15. Avec des belles images de fair play, ces belles images que nous offre Solène. On voit ici donc les gazelles et puis les. On va commencer avec. Donc on s'installe face à la caméra. Dès que tu es prêt, face à la caméra, on attend que tu sois installé. Là, tu es très bien, mon petit Christophe. Et puis dès que tu es prêt, tu nous dis. Voilà, je suis prêt. Eh ben, c'est quand tu veux. Bon, on est avec un des coachs, Hugues Chalmers. Hugues. Le score est logique, peut-être un peu lourd, mais malgré tout, elles ont fait le travail. Il va discuter. Oui, je pense que. En fait, on a su exploiter les turnovers qui étaient présentés à nous avec certains joueurs qui sont. Ça c'est fait, après vous pouvez finir tranquille. On dit un ex facteur. Mais honnêtement, si je suis perfectionniste, je pense que on peut être beaucoup plus propre dans notre conquête. Après c'est fini. Et on manque énormément la discipline. Je pense que avec une équipe peut-être avec un peu plus de précision, on aurait dû payer un peu plus pour notre manque de discipline aujourd'hui. Alors, quand tu parles de précision et de discipline, la précision dans quel thème de jeu, dans quel système? Je pense que des fois on est 25 au ruck et des fois on est 0. Des fois, on a une lancée qui n'est pas à la bonne endroit. En mêlée, on n'a
pas forcément joue sur le bon côté, sur mêlée, tu sais, par rapport à notre positionnement, stratégie de placement de mêlée sur le terrain. Juste les petites choses comme ça, avec nos... parce qu'on a quand même certaines joueuses qui peuvent faire une différence, on s'en sort pas trop mal. Mais il faut qu'on, quand même on regarde un peu en avance. Peut-être on va finir par jouer un quart final ou quelque chose comme ça, ou un huitième final. Il faut qu'on commence peut-être à projeter sur ces jours des erreurs qu'on fait pour peut-être jouer une suite, qui sait. Oui, c'est vrai, un barrage à domicile le 12 mai. On a vu dès l'entame de jeu qu'on n'allait pas taper les pénalités et qu'on jouait tout à la main. On s'est posé la question avec Claude, est-ce qu'elles vont pouvoir tenir ce rythme pendant 80 minutes? Elles l'ont tenu malgré la chaleur. Alors, elles ont bien travaillé à l'entraînement. Elles sont difficiles, possession de jeu. Comment on peut voir cette condition physique? En fait, il faut... Quand vous regardez notre équipe par rapport aux autres équipes, des fois, on a une physique qui est un peu différente. Des fois, on joue contre des équipes qui sont un peu plus fortes. Donc, du coup, il faut qu'on adapte nos points forts, quoi. Et ça passe quand même... plutôt dans les 45-50 minutes qu'on commence à faire craquer les équipes qui sont un peu plus lourdes que nous. Donc, voilà. En tout cas, merci et à bientôt. Hein. Hugues. Merci beaucoup. Parfait, on va rester après. On a la capitaine qui va bientôt arriver, c'est Lilou Jaloka, la numéro 12, Christophe, donc qui n'est pas loin de toi. Je la cherche. On va mettre le micro, Christophe, éventuellement pour... Hey, hey! Hey! Hey, hey! Hey! Tiger! Ah! Buffalo! Woo! Hey, hey! Hey! Ouais, c'est très sympa. C'est vrai que malheureusement, ces images de joie tranchent avec les images de tristesse de l'équipe bergalienne. Voilà, on tient à rendre hommage à ces guerrières Grenat qui ont... je pense, malgré la distance rendue fière, c'est l'équipe. Voilà, Christophe qui bientôt va pouvoir nous prendre les impressions donc de Lilou. Vous pouvez les approcher jusqu'au rebord, voilà. Très bien, Christophe. Voilà, nickel, jusqu'à la limite. Voilà. Et quand tu es prêt, Christophe, on t'écoute. Voilà, alors je suis avec la capitaine, Lilou. Lilou, grosse partie. Comment ça s'est passé? On a fait une superbe entame de match qui n'était pas toujours le cas dans nos matchs précédents, donc franchement super positif. Et il y avait de l'envie chez les filles, donc ça a été génial. Et on a un petit coup de mou forcément tout le temps, début de deuxième mi-temps. On prend des essais, mais on arrive à remonter et remarquer après. Oui, vous avez été présente alors dans le jeu défensif. Vous n'avez pas lâché, le physique n'a pas lâché. Vous êtes bien organisé en défense. Les consignes d'avant-match et à la mi-temps, c'était quoi? Alors, les consignes d'avant-match, c'était pour la défense, bien venir attaquer l'équipe en face. Et pour l'attaque, c'était prendre les initiatives, toujours vouloir avancer. D'accord. Et on parle de mou. Nous, on l'a pas ressenti, on s'est posé la question. On s'est dit avec Claude et Solène, je pense qu'en début de deuxième mi-temps, elles vont lever le pied. Non, vous avez continué à être agressif sur le porteur de balle? Ouais, ça c'est pas forcément vu, mais dans nos têtes et dans l'équipe, on sait qu'on a toujours un coup de mou et donc on a réussi quand même assez rapidement. C'est vrai que d'habitude ce coup de mou il dure plus longtemps, mais là on a réussi à remonter. Un petit mot sur l'arbitrage, un jeune franc-comtois de 18 ans, vous l'avez trouvé comment monsieur l'arbitre? Franchement c'est encourageant, il expliquait très bien et j'ai pas à me plaindre de l'arbitrage, quoi. Eh bien, merci Lilou. Parfait, parfait. Non, mais très très belle interview. Beaucoup de fair play de la part de Lilou. J'espère qu'on va pouvoir avoir le staff de l'équipe bergalienne. Donc, Solène est partie pour essayer donc de récupérer des infos et de la part du. J'ai le coach bergalien. Eh bien, prends ton temps. Installe-toi, mon petit Christophe. Voilà, pour qu'on puisse avoir les impressions. Mais c'est vrai que je pense que. Voilà, Claude. Quand tu veux. Voilà, je suis avec Régis Mérieux, coach des Grenades. Coach, que ce fut difficile malgré tout. Oui, c'était un match très difficile. On le savait en se déplaçant. Hein. Quand on se déplace chez les premières, c'est jamais simple.
On se déplace aussi avec un effectif où on nous manque de joueuses, surtout derrière. Donc on est obligé de pallier avec des avants qui passent à l'aile, au centre. Donc on s'adapte, mais ce n'est pas facile. C'est une fin de saison compliquée pour nous. Mais malgré tout, vous n'avez pas fermé le jeu. Vous avez été solidaire. C'est une bonne chose. Vous avez quand même marqué 2 ou 3 essais. Oui, ouais, ouais, et puis c'est des valeurs qui sont présentes à Bourgoin. C'est de rien lâcher, même si on en prend, on prend pas mal d'essais, c'est de rien lâcher jusqu'au bout, quoi. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et de relever la tête à chaque fois. De toute façon, en début de saison, le discours devait être, c'était le maintien, vous devez jouer le maintien. Oui, ouais, exactement, c'était le maintien, il est acquis, il est fait, donc voilà, maintenant on va aller se déplacer à Nancy dans 2 semaines, et puis à cœur de faire encore un bon match, et puis jusqu'à la fin de saison. En tout cas, nous, on a été contents de vous recevoir, et on a vanté les mérites des Ciels et Grenats. Parce qu'on parle toujours des espoirs, de l'équipe première, mais il y a les filles qui sont là et on en est fort contents, nous. Ben, merci. Et également, on tient à vous remercier, parce que grâce à des médias comme le vôtre, ça permet de rendre accessible à tout le monde le sport féminin et le rugby féminin. Alors, je vais me permettre il va se passer à côté de Pierre Rajon, les finales nationales féminines. Le 8 juin, oui, tout le à fait. Le 8 juin, donc il suffit simplement de nous contacter à l'association via Claude. Et on se fera un plaisir de filmer et de commenter toutes les finales à Pierre Rajon. Eh ben, je fais remonter l'info et il n'y a pas de souci. Merci Régis. Merci. Au revoir. Alors bah, parfait, eh bien, tu fais bien le travail. Alors on va essayer d'avoir la capitaine, la capitaine j'espère, bergalienne. Voilà, mais sinon on va attendre, voilà, on va rester sur ces images. Donc pour l'instant on est encore ces images très sympathiques. J'ai trouvé. Parfait, on va attendre la capitaine. C'est bon, Claude ? Quand tu veux. Alors, je suis avec la capitaine des Grenades, Fanny Pratt. Alors, Fanny, c'était compliqué, c'était dur, mais vous n'avez pas baissé les bras. Bah, on savait que ça allait être un match compliqué. Après, on s'était dit, sur nos 2 matchs qui restent, c'était de gagner un match. On avait pour but de marquer 2 essais. On les a marqués, donc pour nous, c'est que du positif. Oui, il y a eu un blessé. Mis à part ça, vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas abdiqué. Et puis, vous avez quand même réussi à concrétiser 3 fois. 3 fois ? 2 fois ? Il n'y a eu que 2 essais ? Ouais, non, mais après, c'était les objectifs qu'on s'était mis et c'était sur des grosses avancées qu'on a mis, nos avants, les arrières, tout le monde y a mis du cœur et ça a concrétisé, ouais. Donc là, il reste un déplacement à Nancy, comme le coach le disait. Vous êtes en roue libre, vous risquez plus rien, vous allez pouvoir jouer au ballon. Bah, ça serait quand même bien de le gagner pour le mental et pour concrétiser réellement ce maintien, même si on est maintenu quand même. Et puis après, bah, le but, c'est de l'année prochaine d'aller chercher des qualifs. Eh bien, bon retour. Merci. Au revoir. Parfait, Christophe. Alors, on va ces images sympathiques du stade Bourriot, où le public au bord de la main courante. On va terminer avec Solène, Christophe. Dès que pour conclure ce match, on a eu les 2 staffs. Voilà, c'est très bien, Christophe. Alors, parfait. Bon, donc, quand tu veux. Donc, voilà, on va terminer avec Solène. Parfait. Voilà, je suis avec Solène qui nous a donné la main cet après-midi. Alors Solène, tes premières impressions après cette défaite de ton équipe ? C'est frustrant. C'est frustrant, mais... On va changer de sens, peut-être, Christophe, pour la pauvre Solène, qu'elle baisse sa tête. Tu veux changer ? On change de côté ? Oui, c'est juste qu'elle voilà, pour qu'on puisse voir le beau visage de Solène. Voilà. Non, mais Solène, mets-toi face à la caméra. On voilà. Est quand même hyper... On essaye de faire du mieux qu'on peut, mais derrière un écran, c'est encore plus frustrant. Oui, c'est frustrant. Surtout pour toi, tu t'es fait les croisés en janvier. Hein, donc, c'est pratiquement une saison blanche. Maintenant, place à la saison prochaine, la préparation, le dernier déplacement à Nancy. Oui, on va déjà penser à Nancy et après, on verra. Mais l'année prochaine, ça va être. On attend plus de joueuses et plus de qualité. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ben, c'est sur ce petit discours qu'on va conclure. Merci Christophe. Merci Claude. Merci Solène. Merci à tous. On a passé une super après-midi. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission d'une saison en Ovalie. À bientôt.